à tous, mesdames, messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Dans quelle époque votre rendez-vous indispensable du samedi soir sur France 2. Merci de nous être fidèles à la télé, en replay. On me dit que les replays marchent bien. Merci également à notre public d'être là ce soir. Comment va le public ce soir? Elle a l'air en forme. Pas de quelle époque, les amis, sans notre invité permanent, mesdames, messieurs, Christophe de Chavannes. C'est bien. Ne crois pas que je... Waouh. C'est bien. Ça vous va bien? Je suis contente. Pourquoi? Pourquoi faire Sylvie? Mais ça fait tellement longtemps. Tellement longtemps que je n'ai pas fait d'imitation pourrie, tellement je suis nulle. Comment ça va, ma poulette? Christophe de Chavannes, mesdames, messieurs, et Sylvie Vartan qui va arriver. Ça va, mon Christophe? Franchement, vous avez passé une bonne semaine? J'aurais passé, comment dire, une semaine pire. J'aurais pu avoir une semaine pire. Alors, on parle de rien. Vous parlez de rien. Moi, je vais juste dire un truc. Oui, on s'est servi de cette chère Léa qui est ici, qui m'a tendu la main il y a un an et demi pour venir bosser avec elle, pour me faire du mal et en même temps lui nuire. Il y a une personne qui est passée dans une émission, sur une chaîne, à qui on a déroulé un tapis pour raconter des inepties absolument n'importe quoi, et aucun des propos que je n'aurais pu tenir à l'encontre de qui que ce soit ici, et en particulier d'une personne, de vous, mon petit loulou. Donc je voulais juste mettre les choses au point, que ce soit tranquille dans votre tête. C'est tranquille dans la mienne, et je voudrais que ce soit surtout tranquille pour les pauvres personnes qui, éventuellement, auraient pu croire des âneries pareilles. Je vous remercie. C'est un beau métier. Nous faisons un beau métier. J'ai attendu 66 ans qu'on me balance des seaux d'eau sur la tête et ailleurs. Et le fait qu'on ait pris des gens pour s'en servir me dégoûte. Donc je suis vraiment pour ça navré. Vous avez raison. On fait un beau métier. Et je vous on a aime. De la chance. Oui. Et on pourrait se passer voilà. De ça. On pourrait se passer de ça, mais il y a des gens qui ont des souffrances beaucoup plus grandes que Dieu, nos oui. petits problèmes. Oh oui. De qu'en dira-t-on tout ça. On retrouvera évidemment ce soir notre expert sociologue, politologue Philippe Cavrivière pour son fil Paul et son fil Actu. Et puis, bonsoir mon cher Paul. Salut les amis, ça va ou quoi? Ça va? N'hésitez pas à intervenir quand vous voulez. Toujours, ouais. Juste, j'étais en Suisse toute la semaine pour jouer mon spectacle et en Suisse, les gens vous adorent, donc si vous pouvez leur faire un petit coucou à la caméra, ils m'ont demandé de le faire, voilà. Ah, je pensais qu'il y avait que les Belges. Non, les Suisses, les Suisses sont à fond. Bonjour la Suisse, on voilà. embrasse la Suisse. Voilà. Mais on a un Suisse ce soir. On a le journaliste suisse le plus connu de France. Bah justement, on va partir. On va y aller. Quelle époque, saison 2, épisode 21, voici le sommaire. Une légende est avec nous ce soir, vous l'aurez compris, icône pop et reine des yéyés. Elle est une des chanteuses préférées des Français. Elle a formé avec Johnny le couple star des années 70 et elle tire sa révérence avec trois derniers concerts au Dôme de Paris en novembre. L'occasion de revivre avec elle les plus grands moments de sa vie. Sylvie Vartan est notre invitée événement ce soir. En 10 ans, il est devenu l'humoriste le plus puissant de France. 500 000 Français sont déjà allés le voir sur scène. Il fait la der des der de son spectacle et comme Bercy ne lui suffisait pas, eh bien le spectacle est également retransmis au cinéma. Qu'est-ce qui fait courir Jérémy Ferrari, l'humoriste, mais aussi l'auteur, l'acteur, le producteur? Réponse ce soir, dans quelle époque? De la petite fille de 5 ans qui a marqué la France dans Jeux interdits à la mère de Sophie Marceau dans La Boum, en passant par ses rôles chez Truffaut, Oublié ou Sauté, elle est dans notre paysage cinématographique depuis 70 ans. Elle lit les fables de La Fontaine, qu'elle adore sur scène, au théâtre Poche Montparnasse à Paris. Le plus beau sourire du cinéma français, Brigitte Fossé, est également notre invitée.
Il est le plus célèbre des journalistes suisses de France, je vous le disais, avec son style chic, sobre et cultivé. Il fait les meilleurs scores de LCI tous les week-ends. Dans La guerre et la grâce, il publie ses conversations avec une femme qu'il a admirée, Hélène Carrère-Dancausse, la tsarine, la plus célèbre de nos académiciennes, qui nous a quittés l'été dernier. Il nous parle de la Russie, de Vladimir Poutine, de la guerre. Darius Rochebain est aussi avec nous ce soir. Elle a ému la France entière en criant sa détresse d'agricultrice sur les réseaux sociaux. Elle a lancé une cagnotte il y a quelques semaines pour sauver sa ferme, pour sauver ses chèvres et sa vie. Elle a récolté les 200 000 euros dont elle avait besoin pour les banques. C'est la belle histoire de la semaine. On vous présente l'agricultrice Delphine Serrault, qui est dans Quelle époque ce soir. Et enfin, on va se mettre à l'accordéon ce soir. Il est le garçon qui a remis cet instrument à la mode. Son look, son univers, ses compositions cartonnent sur les réseaux sociaux. Il sort son premier album solo, il part en tournée dans toute la France. Il s'appelle Théo Hult, c'est le Stromae de l'accordéon avec nous. Ce soir, on accueille tout de suite la queen, Sylvie Vartan. Bonsoir, ma chère Sylvie. Bonsoir, ma chère Sylvie Vartan. Bah, on est content. Voilà. On est content de vous recevoir. Mais moi aussi. Ouais, on est hyper heureux de vous recevoir. Une bonne ambiance, déjà. Plus de 60 ans que vous êtes dans notre télé, dans nos radios, dans nos vies, au fond. Et quand on a appris que vous alliez faire vos adieux, en novembre prochain, au Dôme de Paris, on s'est dit qu'on avait envie de revivre avec vous. 60 ans de musique, 60 ans d'histoire d'amour, 60 ans... Donc vous êtes là pour à peu près 6 heures, parce que c'est 10 ans, une heure pour 10 ans. Bon, vous êtes content d'être là ? Mais bien sûr, bien sûr. Je suis toujours contente de rencontrer des gens qui me suivent et avec lesquels je partage tellement de choses depuis, comme vous le dites, déjà 60 ans. C'est quand même pas rien. C'est pas rien. Quelle Mais c'est passé tellement vite que... J'ai l'impression que c'était quand même... Bon, oui, regarde, on s'est vus quasiment avant-hier, nous. C'était... Presque. Non, vous vous êtes vus, c'est vrai que vous êtes vus dans le couloir tous les deux, et vous vous êtes dit, ça fait 30 ans qu'on ne s'était pas vus. Oui, à peu près, oui. En étant cool. Ouais. En étant diplomate. Ouais. Votre carrière en un mot, ce serait quoi ? Pardon ? Votre carrière en un mot. En un mot ? Elle a répondu, elle a dit pardon. En un mot, c'est difficile. Tellement de choses, tellement de flammes, de passions, de voyages. En un seul mot, je dirais la folie. La folie, la folie. Vertigineuse carrière. En 64 ans, Sylvie Vartan, vous avez vendu plus de 40 millions de disques. Vous avez sorti 66 albums. Interpréter 1500 chansons dans 9 langues différentes. Non, mais quand j'ai vu ça, en fait, on oublie 1500 chansons. Vous avez fait 2500 concerts dans 30 pays différents qui ont rassemblé 10 millions de personnes. Il y a 10 millions de personnes qui sont allées vous voir dans 60 ans de carrière. Et d'ailleurs, vous êtes une des rares chanteuses françaises qui a vraiment eu une carrière à l'étranger. Vous avez été une star au Japon, en Amérique du Sud, véritablement. Et voilà quoi. Alors, quand on voit tous ces chiffres-là, on se dit, mais pourquoi elle veut s'arrêter ? En si bon chemin. Écoutez, il faut bien s'arrêter, parce que vous vous rendez compte, je vais avoir 80 ans dans quelques mois, enfin bon. Mais non. Bah si, bah oui. Bah si, sûrement, si vous le dites. Mais oui, mais ouais. ça arrive, hein. Oui, oui. Oh, ça arrive. J'en ai pas pour longtemps, hein. Avant d'y arriver. C'est parce que, ça a été une décision où vous vous êtes dit, je veux pas faire le concert de trop, je veux pas... Non. 60 ans, c'est déjà énorme. Énorme. Je n'ai pas arrêté. Enfin, maintenant, je regarde en arrière ce que j'ai fait, alors que je le porte en moi, je n'y pense jamais. Mais vous allez vraiment vous arrêter ? Vous allez nous faire une Aznavour ? Vous vous souvenez, il faisait ses adieux tous les deux ans pour j'ai revenir. J'ai tellement de choses à rattraper, vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que vous avez en rattrapé ? En fait, ma vie, quand je regarde, je peux en faire un résumé bref. Je chante, j'enregistre. Je fais la promotion, je pars, je vais en tournée, je suis sur scène la plupart du temps. Ça n'a été que toute ça, ma vie votre a vie. Été comme toute ça. Toute votre vie, ça. Aux États-Unis aussi Partout. Et qu'est-ce que vous avez des avions Qu'est-ce que vous avez à rattraper
Qu'est-ce que vous avez manqué? Mais tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire, à part ça. Partir en voyage avec moi. Quand on a une passion, en fait, quelle qu'elle soit, oui. Quand on a une passion, elle est dévorante quelque part, mais on ne s'en rend pas compte parce que c'est même pas du travail. Quand on dit, moi, ça me faisait rire. Quand je commençais en disant, oui, elle travaille beaucoup, elle est, oui. Je travaille, non, je ne travaillais pas. J'avais un plaisir fou à faire ce que je faisais. Quand on a la chance d'avoir une passion, quelle qu'elle soit... C'était pas un travail, c'était une passion. Oui, on est porté par ça. Mais vous n'avez pas peur de vous ennuyer maintenant? Ah non, je ne m'ennuie jamais, en fait. Hein. Vous allez faire quoi? Plein de choses. J'ai tous les livres que je n'ai pas lus qui m'attendent. Tant de choses à ranger, des collages à faire, profiter de mes enfants. Alors, pour les collages, je vous laisse. Des collages, j'en ai beaucoup. Mais pour le rangement, je veux bien un coup de main. Vous irez ranger chez Christophe de Chavannes. Quand vous serez en ville. Je n'ai pas le temps de ranger chez moi, donc... Non, c'est on non. On fera un échange, on fera c'est un sharing. Non. En tout cas, on vous retrouvera sur la scène du Dôme de Paris pour 3 concerts extraordinaires. Ce sera en novembre, les 8, 9, 10 novembre prochains. Vous allez chanter quoi? Je vais chanter ma vie. Je vais chanter ma vie, qui va être en même temps une sorte de film... docu-musical, je dirais. Il y aura de l'image aussi, c'est ça? Il y aura des films, des moments un peu magiques que j'ai connus tout au long de cette carrière. Vous avez peur de pleurer à un moment Ah, mais ça, j'ai la larme facile, vous savez. Oui, j'ai peur, oui. C'est-à-dire le dernier moment du troisième concert le dernier moment quand vous allez dire au revoir. Elle va mettre du waterproof mascara. Du waterproof, c'est bien. Je fais ce métier parce pour que... Pour être émue aussi. Pour être émue et pour avoir reçu tant de d'amour. De manifestations d'amitié, d'amour. Non, c'est un métier merveilleux qui m'a comblée. On va le revoir dans quelques minutes, ce moment fou qui est... Vous dites que c'est le plus beau moment de ma vie, le moment émotionnellement le plus fort de ma vie quand vous retournez dans votre pays à Sofia, en Bulgarie, et ce moment-là, les images, moi, je les ai revues, on va les voir dans quelques minutes, mais d'abord, je voudrais décliner votre vie dans une forme un peu chronologique pour qu'on revive un peu ce qu'on a vécu avec vous, et c'est vrai que immense star au Japon, partout, et c'est aussi 2000 couvertures de magazines, Sylvie Vartan. Oui, ça, j'avoue, je ne les compte pas, mais quelqu'un les a comptées pour moi. Hein. C'est énorme. Non, mais est-ce que vous savez que vous en avez fait plus que Catherine Deneuve et Brigitte Bardot? Écoutez, il n'y a pas de compétition là-dedans. Non, mais je vous le dis, vous les avez pliées. Je sais pas. De presse, parce que ce qu'on voit derrière moi, c'est presse française et presse internationale. Vous avez fait des coups. En fait, vous étiez Kim Kardashian avant Kim Kardashian. Ouais, pas tout à fait. Non, non. Il y en a une qui a une grosse carrière et l'autre un gros derrière. Vous êtes d'accord? Non, mais ça, c'est une mode, peut-être. C'est une mode, le gros cul, vous pensez? Bah, je sais pas. À croire que certaines s'en font poser des faux. Oui, bah, manifestement. En tout cas, vous aviez un côté influenceuse, puisqu'avec vos robes pailletées, on va aller voir vos combis dorés, vos dos nus, vous avez inspiré plein d'artistes aujourd'hui. C'était hyper important pour vous, le costume de scène, et on va le voir. Ouais. Moi, en revoyant les images, je me suis dit quand même, elle avait ce sens du costume de scène. Par rapport à d'autres chanteuses, je ne compare pas, mais un peu quand même, vous aviez un... Il fallait que ça brille. Mais j'ai été portée aussi et puis abordée par des gens de grands talents comme Yves Saint-Laurent, qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a beaucoup appris, parce qu'il m'a confectionné des costumes extraordinaires. Il aimait faire ce genre de spectacle. Et c'est vrai que j'ai été très gâtée parce que j'ai des robes absolument toujours splendides. Est-ce que c'est pas Paco Rabanne, l'armure? L'armure. Oui, c'était pour un numéro spécial au Palais des Sports, justement. En tout cas, pour nous, ma chère Sylvie, vous êtes toujours la plus belle pour aller danser. Oh. Danser. Pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai voulu. Thank you.
connaissiez pas cette version? Non? Vous ne connaissiez pas, cette version que... C'est Ashtendre et Tête de bois. Vous n'allez pas partir en courant? Parce que j'ai lu quelque part que vous détestiez revoir des images de vous. Alors là, c'est mal barré parce qu'on en a plein de vous. Non, mais ça, c'est fait. Hein. Ça, c'est fait. Janvier 1964. Là, les chanceux s'en souviennent. Pendant 3 semaines, Sylvie Vartan, à guichet fermé à l'Olympia, vous allez tous les soirs avec... Les Beatles. Les merci, madame. Vous y étiez ? The Beatles. Les Beatles. Avec les Beatles. On regarde. Aujourd'hui, tu pleures car tu l'as vu. Embrasser la meilleure de tes amies. Hey, 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 hey. Si je chante, c'est pour toi. C'est pour toi. Oui, pour toi. If there's anything I can do. Alors c'est drôle Sylvie, c'est drôle les Beatles, parce que je me suis un peu penché sur 2-3 bricoles que vous avez déclarées au long de ces années. Je lis Sylvie, j'ai dîné plusieurs fois, j'ai posé avec eux pour des photographes, je me souviens surtout de John, son humour très british qui me faisait rire. Pour l'instant ça va? On est bon? Oui, ça va. Oui, oui. Je ne pouvais pas deviner qu'on m'en reparlerait 40 ans plus tard, mais... au fond, je n'étais pas fan du groupe. Mais non, ça, c'est des propos déformés. Alors, c'est rare pourtant, hein, les propos déformés. Hein. Franchement. Et pourtant, il fallait bien. Non, mais c'est vrai qu'on l'a lu. On l'a lu, celle-là, tous les deux. On s'est dit, elle avait pas de nez, quand même, parce que les Beatles... Non, mais n'importe quoi. Bon. Non, non. Alors, mais non, mais raconte, parce que dîner avec les Beatles, je veux dire, aucun d'entre nous ici, hein, les gars, personne, okay. Personne n'a dîné avec eux, juste en deux mots. Comme dîner avec les Beatles à l'époque, est-ce que c'était déjà une folie pour eux? C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas faire un mètre? Ou est-ce que c'était des jeunes gens dont on découvrait les... Absolument. Ouais. Oui, absolument. Mais tout le monde était fasciné parce que leur look était fascinant. On dirait des premiers communiants quand on voit ça aujourd'hui, franchement. Oui, oui, oui. Et mais avec leurs cheveux, leur musique extraordinaire, c'était la folie. C'était quand même fou, quoi. Ensuite, il y a la période Johnny, ma chanson préférée à moi. J'ai un problème que vous avez chanté avec Johnny chez les Carpentiers. Oui, bien plus tard, mais en fait, toute votre vie. Avec André, Frédéric, aux manettes, on regarde... J'adore le clip. J'ai un problème, j'ai bien peur que je t'aime. J'ai un problème, j'en ai bien peur aussi. En perdant, on y gagne quand même. Et puis après tout, on n'a pas choisi. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne. Ça vous fait quoi? Mais ça m'émeut forcément. On était jeunes et ça me remporte avec un grand fracas dans ces moments forts et merveilleux de la jeunesse et de... Et de l'amour. Oui, mais aussi, je veux dire, de tout ce qui allait arriver par la suite. C'est très émouvant. On était heureux, on était... Quand vous vous tenez la main, vous vous tenez la main. Eh oui, ah oui, ça c'est sûr. Non, mais c'était la passion avec Johnny. On va y revenir. Moi, c'est les images que j'aime le plus en Californie. Je vais vous les montrer dans quelques instants. Mais après, je continue quand même à faire votre vie. On parcourt ces 60 ans de carrière avec les États-Unis, la période américaine. Parce que début des années 80, vous divorcez de Johnny, vous cartonnez tellement, vous faites un palais des sports qui est tellement rempli que vous êtes invité pour chanter aux États-Unis, à Las Vegas. Et qui c'est qui introduit le spectacle? C'est l'immense Gene Kelly. Ladies and gentlemen, tonight from Las Vegas, a very special evening with Miss Sylvie Vartan.
And now, Mr. Gene Kelly. And tonight, we are about to welcome a new member to the family. Her name, Sylvie Vartan. Période américaine, vous arrivez, l'affiche qui annonce votre spectacle aux États-Unis à Las Vegas, c'est une immense affiche de 15 mètres sur 5 où on peut lire le plus beau cadeau de la France depuis la Statue de la Liberté. Oui, carrément. Mais je n'avais pas la même pose. Ça fait quoi quand on a... Quand on est toute jeune femme comme ça, une jeune fille même, qu'est-ce que ça fait quand on arrive à Las Vegas avec la réputation de Las Vegas, avec le nom que ça peut évoquer? Qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là? Ça vous paraissait être un truc léger dont vous ne vous rendiez pas compte? Ah non, c'était vraiment un truc énorme. C'était un rêve abouti. Oui, voilà. Et puis une peur bleue. Et puis en même temps, j'étais très amoureuse à l'époque. J'étais poussée par beaucoup de feu et beaucoup d'envie et de désir. Et, amoureuse de votre mari actuel. Amoureuse de qui alors? Mon mari actuel, oui. C'était bien lui. Oh, oui, j'en ai eu que deux. Hein. Oui. Faites ce que, faites ce que deux vous voulez. Très hein. Spéciaux. Oui. Ah, il est spécial vous aussi. Avez que deux hommes dans... C'est dit, vous avez que deux hommes dans votre vie? Non, deux maris, elle a dit. Oui. J'en ai eu beaucoup parce que... Deux et demi. Dès mon plus jeune âge, en fait, j'étais entourée d'hommes. Mon père, mon grand-père, mon frère... C'est pas pareil. Non, mais c'est parce que... Bah oui, non, mais ça... Normal. C'était pas le sens de ma question, mais c'est pas grave. Charnellement, après... vous n'avez connu que deux hommes dans votre vie? Non. Ah, mais j'étais mariée que deux fois. Est-ce que par exemple, vous ne vouliez pas lui foutre la paix, par exemple, là-dessus? On en vient au moment le plus fort, je le disais, émotionnellement, de votre vie. Vous revenez après, vous êtes née à Sofia, en Bulgarie. Vous avez fait votre prime enfance là-bas. D'ailleurs, vous vous souvenez très bien de Sofia enfant, de cette vie d'enfant. Vous partez quand le dictateur arrive, URSS, vous arrivez en France. Et donc, on est en 1990, le mur de Berlin vient de tomber et vous revenez pour la première fois dans la capitale de votre pays natal. C'est un concert que vous allez faire. Vous dites émotionnellement, tout le monde pleurait, les gens pleuraient, je pleurais, je me souvenais de tout. Ce spectacle va être diffusé sur France 2 à l'époque, en 1990, et c'est absolument bouleversant. La Marita, c'est Marivière. Comme la Seine et la tienne, mais il n'y a que mon père maintenant qui s'en souviennent. Quelquefois, de mes 10 premières années, il ne me reste plus rien, pas la plus pauvre poupée, plus rien qu'un petit refrain. De l'exil. On ne peut pas parler de guérison. Enfin, c'est,
une façon de transgresser, de grandir, d'être, surtout quand on a eu le privilège de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire partager toutes mes émotions avec tant de monde. J'ai passé ma vie sur scène, en fait, c'est ce qui me plaisait. Et qu'est-ce que vous avez de bulgare en vous? Qu'est-ce qu'il vous reste de l'âme bulgare? Ah, mais je crois que tout ce qui reste, c'est quand même l'émotion, les sentiments qui sont à vif, hein. Aussi bien la mélancolie comme la gaieté. Parce que je crois que c'est ce que l'on dit des Slaves. Et c'est vrai que, de par certains côtés, ils ressemblent aux Italiens aussi. Il y a ce côté complètement démesuré. Entre la folie, la gaieté, et puis la mélancolie, les pleurs, les larmes, la profondeur. Vous avez toujours été comme ça? Vous des avez sentiments. Été drama queen, comme on dit? Oui. Un peu too much, quoi. Et pour la chanson... Un peu too much en tout, d'ailleurs. Pour la chanson, vous avez souvent pensé, vous, avant, qu'au fond, une chanson, ça ne servait pas à grand-chose. Et puis vous avez changé d'avis, et vous dites, ça ne sert pas à grand-chose, et moi, j'aime bien être utile. C'est ce que vous disiez. Et vous avez dit, ensuite, je me trompais, une chanson est un repère qui bouleverse. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc vous vous trompiez. Bah, les chansons, c'est révélateur, comme je disais, de la personne que l'on est. Sylvie Vartan, depuis toujours, votre vie privée a été publique. Surtout quand vous vous mettez avec l'idole des jeunes, quand vous vous mettez avec Johnny Hallyday. 15 ans de passion, j'ai revu ça en revoyant votre parcours, 15 ans sous les caméras. Tout le temps, il y avait les caméras, partout il y avait les caméras. Et notamment quand vous confirmez avec Johnny à la France entière que vous êtes bien fiancés, on regarde. Ah oui. Est-ce que vous avez vraiment l'intention de vous fiancer? Ah. Oui, enfin, on n'a pas l'intention puisqu'on l'est déjà. Oui. C'est fait? Oui. Vraiment? Oui. Officiellement? Oui. Depuis combien de temps, Sylvie? Oh, depuis 2-3 mois. Ça ne vous gêne pas d'avoir, en quelque sorte, prisonnier ces admiratrices? Oh, je ne l'ai pas pris parce qu'on ne sait plus mutuellement, alors je n'ai pas du tout pris. Ils sont beaux tous les deux. Ils sont beaux, mais attendez, ouais. Vous n'avez pas vu les images que je vais vous montrer. Alors moi, j'ai juste un truc à vous dire sur Johnny avant ça, parce qu'évidemment, c'est avant les fiançailles, c'est même avant qu'il la rencontre. Il est en train de déjeuner avec un garçon avec lequel il travaille et il était venu voir Vince Taylor. Vous connaissez cette histoire? Il était venu voir Vince Taylor à l'Olympia et il était avec un garçon qui s'appelait Eddie Vartan. Ah oui. Ouais. Et à ce moment-là, il y a Sylvie qui passe, et Johnny est en train de déjeuner avec Eddie Vartan, et il ne savait pas du tout qui était Sylvie, et il dit à son pote, t'as vu cette fille, je veux dire, je vais pas prendre l'accent, si. Mais je dis les mots de Johnny, elle est bien, je me la ferai bien. Et sans répondre, à ce moment-là, son interlocuteur appelle Sylvie, qui est un peu éloignée, et il fait, Sylvie, viens. Parce qu'en fait, Johnny ne savait pas que Sylvie était la sœur de cet homme. Qu'il se ferait bien. Et Sylvie vient, et son frère lui dit, je te présente Johnny, un ami. Et toi, Johnny, je te présente Sylvie, ma sœur. Et Johnny a dit, je ne savais plus où me mettre. Les fiançailles, et puis le mariage. 12 avril 1965, vous vous mariez à la mairie, à l'église de Loconville dans l'Oise. Le curé avait vendu la mèche. C'est sûr que c'est le curé? Ah oui, c'est le curé qui avait vendu la mèche. Paraît-il. Et du coup, il y avait un tel monde fou de fans. Je voudrais qu'on voit les images. On va les voir tout de suite. C'est la folie absolue. Ça, en toute intimité. En toute intimité. Et là, vous dites oui. Et là, voilà, là, vous sortez. Ah, c'est Jean-Pierre Pierre-Bleu. Et là, vous mettez des heures pour faire 2 mètres, en fait, tellement il y a du monde, tellement c'est la cohue. Voilà, c'était partout. Quelques mois plus tard, toujours sous l'œil des caméras, moi, je trouve ça fou d'avoir vécu à ce point sa vie sous l'œil des caméras, 14 août 1966, après le mariage, il y a le bébé. Et c'est aussi la foule des grands jours à l'hôpital de Boulogne-Billancourt où vous donnez naissance à David. Là, il a quelques heures. Et déjà, il y a les caméras et les photographes. Vous n'en aviez pas marre? Il y a des moments où on en avait marre, oui, mais ça devenait une telle routine. C'était quelque chose de quotidien, en fait. Vous en avez souffert, quand même, de cette vie sous l'œil des caméras en permanence? Moi, j'étais très timide et c'est vrai que c'était comme une bombe.
C'était et puis petit à petit on prend l'habitude. On était en plus on était deux. Alors du coup c'était au carré quoi. C'était c'était la folie. C'était infernal. Mais ça ne vous a pas empêché d'être de cet amour fou qui a duré 15 ans. Après on s'en fichait. Ouais, et même vous jouiez de ça. Vous allez voir ces fameuses images dont je vous parle que je trouve magnifiques, où vous êtes en Californie avec Johnny, on est en 1971, je crois, et vous parlez à votre fils qui est resté à Paris, qui est encore un bébé, et là, c'est, je sais pas, c'est une définition pour moi de la sensualité et de la beauté. Oui, c'est incroyable, bonjour, ça existe. Bonjour mon amour, comment tu vas? Oh, j'ai envie de te voir. Je vais rentrer bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Et tu es gentil à l'école? Oh, tu es mignon. Est-ce que Carlos t'a donné les cadeaux? Ils te plaisent? Et tu le fais marcher dans ton bain, le dinosaure, là? Je te passe papa. Il y avait beaucoup d'espions. C'est ça le problème. C'est fou. On n'avait pas le choix. On vivait notre vie comme on la ressentait, et puis c'est tout. Là, c'est le réalisateur François Reichenbach qui filme. Je cite son nom parce qu'il est là. Grand documentariste. Et pardon de vous dire, il y a une quand on regarde ces images, il y a une immense tension sexuelle entre vous, quoi. On sent quelque chose. Pardon. Au moins, ça montrait pour toutes les mauvaises langues qui disaient que. On faisait ça pour la presse, pour le business. Voilà. Ça montrait que c'était vrai quand même. Bah oui, là voilà. Franchement, là, ou alors vous jouez très bien, mais on a l'impression que vous vous aimez. Bon, quel est le plus beau moment avec lui, avec Johnny, de vos 15 ans avec lui? Vous savez, c'était quand même, c'était pas un long fleuve tranquille et calme tout le temps. C'était pas un lac, c'était la mer démontée. Non, mais il y a eu des très bons moments, bien sûr. Est-ce que c'est vrai que quand il rentrait, c'était peut-être avenue du président Wilson, il rentrait rarement seul, il rentrait avec des potes, quelle que soit l'heure, il y avait toujours des copains qui l'accompagnaient, des bikers, etc. C'est David qui m'a raconté ça. Et qu'un jour, il avait 5-6 ans, et il dormait, quand même, un petit garçon de 5-6 ans, et à 4 heures du matin, son père, qui était avec 15 potes dans le salon, est venu, parce que David joue très bien de la batterie, c'est un très bon batteur, et pour cause, hein, il a commencé jeune, puisque Johnny était réveillé et il lui a dit viens petit bonhomme. Alors le gamin... je vais être en tournée moi, je peux probable, dire, probable, hein. C'était probable, hein. Probable. C'était derrière votre dos. Ça se serait pas passé comme ça. Ah hein. Bah c'est sûr. Et donc le petit, il est à moitié endormi, il a les yeux troupines, et il le suit et il dit vas-y, joue. Et il y avait tous les potes autour qui étaient là avec des bières, des machins, et il m'a raconté David, il me dit j'avais 5 ans, j'étais là. Voilà. Mais il joue magnifiquement de la batterie. Et puis il y a la fin qui est une image qui a marqué tous les Français, la cérémonie d'adieu, la Madeleine, les funérailles de Johnny, et cette image de vous. Ouais, mais ça... Quoi, vous n'arrivez pas à la regarder? Non. Elle vous fait mal? Non, c'est comme une scène, je sais pas, comme une scène inventée qui n'existe pas. Quelle image vous gardez de Johnny? De lui, hein? Ben, les images que l'on a vues au départ... Un garçon d'une beauté incroyable, d'une gentillesse, grande d'une sensibilité, gentillesse. Et d'une passion, et d'un talent fou, et quelqu'un d'unique. Voilà l'image que je garde, et celle que j'aurais aimé que l'on garde. Voilà. Et qu'on n'a pas assez gardé? On peut en mettre un petit coup. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes triste de ce qui s'est passé après, vous êtes triste des déchirements de la famille, quoi. Oui, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots qui puissent... Mais comment vous l'expliquez? Les Français, ils ne comprennent pas. Ils ont vu les Hallyday se disputer. Ils voient maintenant les Delon se disputer. On ne comprend pas. Ah bah, on ne comprend pas beaucoup de choses. Hein. Si on savait le pourquoi des choses, c'est... Voilà. C'est quoi? C'est l'argent qui pourrit le truc? Il y a de ça. Il y a l'éducation. Il y a... Voilà. Il y a
L'entourage de la famille, c'est très important. La façon dont moi j'ai eu la chance d'être élevée par des gens aimants, qui m'ont structuré, qui m'ont donné des valeurs, qui m'ont donné un exemple. Et c'est beaucoup plus simple quand on apprend la vie que par l'Internet. Je crois pas que ça doit être compliqué, ça. Moi, j'ai eu des vrais rapports avec mes parents. L'amour, je l'ai connu. L'amour des hommes de ma vie, l'amour de ma mère, intense. C'est très important pour la suite. Et je pense que quand on fait des enfants, il faut les faire sciemment, il ne faut pas en avoir. Parce que si on n'a pas la possibilité ou la fibre d'être quelqu'un de responsable pour les mener au mieux possible, suivant les circonstances, ben, évidemment que tout le monde fait des erreurs, il n'y a pas de schéma parfait, mais au moins qu'on ait cette envie-là au départ, quoi. On va finir par le photocall. On vous montre une photo et vous nous dites un mot ou une question ou quelque chose que vous évoque la personne. Et je voudrais commencer par Françoise Hardy. Oh, Françoise. Françoise, je l'ai connue, on a été toutes jeunes, toutes les deux. On était les deux premières à chanter ce genre de chansons. Elle composait les siennes. Je l'ai tout de suite aimée. J'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour elle. Et ensuite, évidemment, on s'est connus beaucoup mieux parce que Jean-Marie Perrier était notre trait d'union. Et ils étaient tombés amoureux. Mais Françoise était une fille réservée, elle me plaisait. Elle avait cette grâce, cette élégance, ce talent aussi, cette mélancolie qui me plaisait beaucoup. Elle était timide aussi, ça me plaisait. Et on l'embrasse ? Oh, on l'embrasse. Parce qu'elle ne va pas bien, je crois. On l'embrasse très, très fort, elle a écrit une lettre. Oui, j'ai beaucoup de peine pour ce qui lui arrive. Elle a écrit, et vous n'êtes pas la seule. Elle a écrit une lettre au président pour l'aide aux gens qui ne sont pas bien, qui souffrent, et c'est son cas. Pour mourir. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle a écrite cette lettre pour les autres, pas pour elle. Parce qu'elle, elle lutte dans son coin, extrêmement courageusement. Et on pense à elle. Catherine Deneuve, en un mot. Moi, c'est une actrice de légende aussi. Une belle femme, elle a fait tellement de rôles, elle a marqué le cinéma à jamais. Sheila. Sheila, elle a eu beaucoup de courage parce qu'elle a eu une vie très difficile, lui est arrivée la pire des choses. Elle a su se remettre, elle continue, bravo. Barbara. Oh. Barbara, vraiment une femme extraordinaire, une poétesse. On avait le même agent, je l'ai bien connue, enfin pas assez longtemps, mais je chante une de ses chansons avec le plus grand bonheur. Mon enfance, elle a tellement de chansons magnifiques. Elle était merveilleuse. Carlos. Oh, une boule de joie de vivre, un amour. Quelqu'un de très sensible, de très intelligent, qui a partagé ma vie, qui m'a rendu la vie heureuse. Un éclat de rire. Tony Scotti, votre mari depuis 40 ans. Oh, un miracle. C'est joli, ça. Johnny, un mot. Que je t'aime. Magnifique. C'est difficile d'employer un mot pour ces deux-là. Ah bah oui, c'est compliqué. Ils ont comblé ma vie, donc... Laetitia. Joker. Laura. Aussi une jeune femme qui a trouvé son équilibre. Beaucoup de force, une belle comédienne, elle a un enfant magnifique. Et bravo, ma belle. C'est bien. David. Moi, je suis très fière de mon fils. Bon, ça paraît normal pour une mère, mais non. Je ne suis pas quelqu'un de complaisant. Et mon fils, ma bataille, c'est ma vie. Il dit d'ailleurs, il dit dans le livre, « Ma maman m'a sauvée de tout. » Pas tout à fait, moi, mais j'ai été aidée aussi. Mais c'est vrai que l'amour n'a pas de limite. Darina. Darina, elle est née comme moi dans les Balkans. Et c'est un amour insondable. C'est ma fille. Hein, et
c'est mon amour aussi. Elle partage ma vie. C'était mon désir au départ et elle me comble de joie. Et Sylvie Vartan? Ah, je prendrai une citation, enfin un mot de mon petit-fils, de mon petit-fils Cameron, qui disait « Tu vas encore faire Sylvie Vartan ?» Ah, c'est mignon, enfin, ça. Elle va encore faire Sylvie Vartan. Je tire ma révérence au Dôme de Paris. Tournée d'adieu les 8, 9, 10 novembre prochains. Merci d'avoir été avec nous, Sylvie. Merci infiniment. Laisse partir. Mesdames, Messieurs, l'humoriste le plus puissant de France, le journaliste suisse le plus célèbre de France, le plus beau sourire du cinéma français et le musicien qui a remis l'accordéon à la mode, Jérémy Ferrari, Darius Rochebain, Brigitte Fossé et Théo. You wanna ball with the kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama's not, I'ma come close side. In the middle of the club with the double dub. No love for the haters mad cause I got four seats at the Lakers. See me on the 50-yard line with the Raiders. And I think you told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd of ones. DJ play another. Now you're finishing this show. Bonsoir, bonsoir à tous. Ah ben je suis heureuse de vous avoir tous là. Ça va Darius, vous allez bien? Merci de l'accueil. Dans quelques instants, on va parler de ce livre-là que j'ai beaucoup aimé, La guerre et la grâce, conversation inachevée avec Hélène Carrère-Dancausse. Un très beau livre qui parle de la Russie, de l'Ukraine, de la guerre qui nous vient. On va revenir évidemment aussi sur l'actualité de la semaine. Où c'est, on est monté, on peut dire qu'on est monté d'un petit grade là. Bien sûr, le danger de guerre a grandi, bien sûr. On va y revenir évidemment. Juste avant, préambule, est-ce que tout le monde a une bonne audition ou est-ce qu'il y en a à qui je ne peux pas faire de blague? Ma chère Brigitte, on est très très heureux de vous avoir. Mais. Au fond, vous êtes un peu comme Sylvie Vartan. Vous êtes dans notre paysage cinématographique depuis 70 ans. Oui, mais moi, je n'ai pas commencé avec « Comme un garçon, moi, j'ai ma moto. » La 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 la. Comme un garçon. Moi, j'ai commencé avec « Comme un garçon, voilà. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinture. Comme un garçon, comme un garçon. » C'est têtu, et bien souvent moi je distribue des corrections, faut faire attention comme un garçon. Vas-y, vas-y, continue. On a grandi avec vous, avec La Boum, avec Jeux Interdits, avec Le Château des Oliviers, chacun a sa référence. On va revenir avec vous sur toute cette carrière, magnifique carrière. On parlera aussi de votre actualité, puisque vous êtes au théâtre, vous revenez avec Les Fables de La Fontaine, que vous adorez et que vous lisez au théâtre Poche Montparnasse. Et d'ailleurs, vous allez nous en faire un petit quelque chose. On va entendre peut-être Le Corbeau et le Renard ce soir. Très bien. Avec vous. Pourquoi vous me regardez en parlant de corbeau? Parce que je... Ah, c'est pas moi le corbeau. Ah bon, c'est qui? Ah ben. Et puis je vous présente ce jeune homme là. Bonjour. Bonjour, Théo Hould, l'homme qui a le Stromae d'accordéon. Il cartonne, il est partout. Il est tombé amoureux de l'accordéon quand il avait 6 ans. Oui. Et vous avez remis à la mode l'accordéon. Tout à l'heure, vous allez nous jouer des morceaux magnifiques. Mais on va vous voir quand vous êtes en 6e, tout petit, en train de jouer à l'accordéon. Voilà. Eh oui, Théo Hould. Thank you.
Voilà. Vous sortez votre premier album. Non, sixième. Mais vous avez commencé fort quand même parce que vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez dit, vous jouez à l'accordéon. Et ce qui est drôle, c'est que c'est une réflexion que je me suis faite beaucoup. J'ai commencé l'accordéon pour jouer à l'accordéon. Et un peu plus tard, j'ai joué de l'accordéon. Comme on joue du piano. La Terna Magica, c'est votre premier album solo. Et vous serez en tournée, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, est-ce que vous vous souvenez, mon cher Jérémy Ferrari, est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous êtes venu sur notre plateau? C'était il y a quelques mois. Vous vous souvenez, il y avait qui? Il y avait Fabrice Arfi et il y avait Gabriel Attal. Je ne me rappelle que de ces trois-là, parce que Fabrice, je le connais très bien, j'aime beaucoup son travail. Et on s'est dit avant d'entrer en plateau, on s'est dit, putain, le pauvre Gabriel Attal qui se retrouve entre moi et Fabrice Arfi. Effectivement. j'étais là aussi, hein, pardon. Ah, je n'ai pas souvenir. Ouais, je sais, j'ai vu. Hein. Mais souvenez que de ces trois-là. Moi, quand vous n'avez pas de perruque, Christophe, je n'arrive pas à vous remettre. Oui, c'est ça. Je vais aller chercher. Il n'était pas encore... Il n'était pas encore Premier ministre. Il n'était pas encore majeur, je crois. Il n'était pas encore majeur, c'est donc l'année dernière. Mais enfin, vous l'étiez quand même un petit peu payé avec le sourire, on s'en souvient. Vous avez une façon de répondre politique qui est extraordinaire. Bah, vous êtes très fort. Non, en vrai, C'est le principe de la politique, c'est que tu leur dis quel jour tu préfères sur les 7 jours de la semaine. Je ne sais pas, écoutez, le lundi, c'est vrai que le lundi est chouette, mais le mardi a ses avantages. Non, mais pas... La réponse, en réalité, c'est pas me... Le but, c'est pas de vous attaquer de toutes parts, mais c'est vrai, la question, elle est simple. Est-ce que ça vous choque, oui ou non? Donc je vais vous répondre, mais vous pouvez entendre... Que le mardi a ses avantages. Vous avez eu un contrôle fiscal après? Parce qu'il était ministre du budget. Non. Toujours pas. Mais par contre, on peut dire en revanche, la fois où j'avais eu une petite altercation avec Manuel Valls, j'ai eu un petit truc fiscal derrière. Mais je crois pas que ce soit. Sérieux ? La fois, là, vous savez de quoi il parle ? Il parle d'un truc qui date d'il y a 8 ans. Et qui a fait beaucoup parler de Jérémy sur ce genre de. De Jérémy, oui. De ce cher Jérémy. J'ai pas eu un contrôle, mais j'avais eu un petit retard d'impôts, mais genre d'une journée. Il y avait une tolérance, genre d'une semaine ou 10 jours, et j'ai pas eu la tolérance. Quoi. C'est-à-dire que le lendemain, si je devais faire la déclat à midi 2, ils avaient déjà prélevé sur mon compte. Quoi. Et je me rappelle, il y a une tolérance. Et ça, c'était on n'est pas couché. Mais depuis, vous êtes devenu l'humoriste le plus puissant de France. Oh, bah, dis-moi. Je m'attendais pas. Et en toute simplicité. Hein. C'est un joli titre. Peut-être, en tout cas dans les 2-3 qui comptent, 500 000 personnes sont venues vous voir en spectacle. 500 000, 500 000 de personnes sont allées le voir, ce jeune homme. Vous produisez les 3/4 des humoristes de Paris. Vous avez une explication sur ce succès ? Tout dépend de quoi on parle, parce que c'est vrai que la scène, c'est encore différent du travail de producteur. C'est ce que j'essaie aussi d'expliquer aux humoristes qui veulent se lancer en production. Moi, j'ai toujours, vas-y, puisque je l'ai fait, donc je ne vais pas dire aux gens de ne pas le faire. Mais c'est vraiment deux métiers totalement différents, totalement distincts, comme la production de télévision. Tout ça sont des métiers complètement différents. Je pense que si je dois trouver un point commun, c'est vraiment j'essaie d'y mettre vraiment tout mon cœur et tout mon temps. C'est-à-dire vous êtes drogué au travail. Je suis vraiment acharné au travail, un petit peu drogué au travail. Je crois qu'on peut dire ça un peu trop. Que vous ne prenez jamais de vacances Disons que parfois, j'aime quand même, depuis ma cure de désintoxication, etc., j'avais vraiment mis en place des... Non, c'est pas une vanne. Si, ouais. C'est drôle. C'est mon père, il n'est pas au courant que je buvais. Non, mais pour que ce soit clair, c'était pas une cure de détox. De travail, c'était une cure de détox d'alcool, pas de travail. Et après ça, j'avais quand même mis dans ma vie des jalons pour essayer de me mettre des vacances, donc prendre 10 jours en décembre, essayer de prendre un peu au printemps, puis un peu en été. Et c'est vrai que à force d'accepter des projets, en fait, c'est très facile de dire non à des projets qui sont pas chouettes, mais c'est vrai que depuis quelques années, on me propose tellement de trucs super, je me dis tout le temps, mais je peux pas refuser ça. Mais vous avez encore des rêves? Oui, bien sûr. C'est Par exemple, ça continue de fonctionner. Et puis le cinéma qui démarre, ça, c'est encore un nouveau jouet, c'est encore un nouveau truc. Quoi. Mais moi, j'ai une explication quand même à votre succès. Au-delà de votre talent d'humoriste et de votre côté ultra trash, parce que vous allez extrêmement loin. Moi, je me souviens, quand je vous ai vu la première fois, il y a 8 ans, je me suis dit, c'est pas possible de faire ça aujourd'hui. Et vous y allez vraiment. Mais aussi dans ce dernier spectacle, et on va en parler, parce que vous êtes là pour ça, parce que c'est les der des der. Vous allez jouer les dernières et puis
passer à un autre spectacle d'anesthésie générale, ce spectacle que vous promenez depuis 4 ans. C'est vraiment un spectacle où vous parlez de vous, peut-être le plus intime, et vous parlez de vous, vous parlez de votre dépendance à l'alcool, vos excès, vous parlez de vos tentatives de suicide, de la santé mentale. Moi, j'ai le sentiment que c'est ça qui a résonné aussi avec les gens qui vous ont écrit en disant « Moi aussi, j'ai été dépendant à l'alcool, dépendant… » Ça fait du bien aux gens, même, surtout. Oui, et puis ça vous savez… Ça pousse à parler aussi. Bien sûr. En fait, je savais que ça allait faire ça. Je veux dire, je suis pas bête. Je savais très bien que le fait d'en parler sur scène, ça allait générer plein de messages, plein de témoignages, etc. Mais je n'avais pas pris conscience à quel point. Mais en réalité, maintenant, avec le recul, je le comprends. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quelle personne qui est ici sur ce plateau. Si je vous dis dépression, dépendance, médicaments, vous avez forcément quelqu'un de très proche de vous, voire vous-même qui êtes concerné immédiatement. En fait, ça concerne tellement de gens, tellement de familles. Je ne crois pas qu'il n'y ait pas une famille où il n'y ait pas un problème de ce genre-là. Et donc, c'est ça que je n'avais pas mesuré. Darius, vous êtes d'accord ? Bien sûr. Mais je peux témoigner. Dans ma famille, quelqu'un s'est suicidé. Et je me rappelle très bien le nombre de gens, le nombre de messages que vous recevez quand un événement pareil vous arrive. C'est évidemment la terre entière qui vous écrit. On peut dire qui c'est ? C'était ma mère. Mais je sais, parce que je sais que vous l'avez raconté une fois. Non, mais je suis très touché par votre spectacle et effectivement, je pense que de façon générale, et je vois dans mon métier de journaliste, c'était le cas de Navalny encore, qui, dont tout le monde sait ce qui s'est passé ces derniers jours, à quel point on peut parler légèrement de choses même aussi graves que cela. Paul. Jérémy, du coup, tu es un jeune homme brillant avec quelques troubles mentaux. Tu n'aurais pas pu être président de la République comme tout le monde. En tout cas, ce spectacle s'appelle Anesthésie Générale. Ça a été le gros carton pendant 4 ans. Et pour les der des der, puisque c'est bientôt fini, le 9 et le 10 mars prochain, vous faites 2 Bercy. C'est le week-end prochain, hein, c'est dans une semaine. C'est ça. 2 Bercy. C'est pas la peine de chercher des places, mon cher Darius. C'est complet depuis longtemps. En revanche, là, vous tentez un défi fou. C'est que le 10, donc dimanche prochain, dimanche 10 mars, à 17h... Vous mettez une pression à faire. Le 10, dimanche prochain. Écoutez-moi bien. Eh bien, tous les gens peuvent s'acheter une place de cinéma et voir le spectacle à Bercy que vous allez faire en direct dans une salle de cinéma qu'on habite Chalon-sur-Saône, Sochaux. Sochaux. Dis ça partout en France. Non, mais Sochaux, je dis ça pour nos amis. Toutes les salles de cinéma ? Non, pas toutes, mais il y en a plus de 300 réparties sur tout le territoire. Donc, logiquement, vous en avez une pas loin de chez vous. Quoi. Là, à ce stade, il y a 50 000 places qui ont déjà été vendues. Alors, 55 depuis quelques jours. 55 000 places. Bon, mais cette nuit, je vais faire péter le truc. Et tout de suite, on va doubler. Ah, bon, on est samedi. Et ben, on est samedi. 58. Donc, les gens peuvent réserver sur… Jérémy Ferrari au cinéma.com. On a fait donc, vraiment ça. On peut aller et on va vous voir quasiment comme si on était à Bercy. Avec vous à Paris, un peu partout, notamment à Charleville-Mézières, dans votre ville. Qui est complet déjà. Qui est complet, j'espère, parce que sinon, ce serait les boules. Moi aussi, j'espère. Ce serait les boules pour vous. Par parenthèse, c'est ce qu'a fait Poutine cette semaine. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il était à Charleville-Mézières ? Non. Il avait aussi le système des cinémas. Oui, il a fait ça, oui. Il a fait le cinéma. Oui, il avait le système. C'est ce que je n'avais pas vu. Avant-hier. Son discours, là, où il nous menace de… Il vous a piqué l'idée, voilà. J'inspire Poutine, c'est chouette. Je ne suis pas sûr pour tout, mais… En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas votre spectacle ou votre univers, mon cher Jérémy, eh bien, je tiens à le dire, c'est bienveillant, respectueux, gentil, sans aucun gros mot. Il y en a certains d'entre vous qui se disent « Oui, mais Jérémy, moi, je connais mal ton univers. Peux-tu me le décrire ?» Mon univers, avant tout, il est familial. Il se faisait matraquer la gueule, on aurait cru des PD en claquettes devant une caserne en Yougoslavie. Alors moi, je fais toujours des spectacles à thème. Celui-là, il est sur la santé. Il n'y a pas de vulgarité. Je déteste la vulgarité. PD, connasse, pute, bâtard. Tiens. Je ne me moque jamais du malheur des gens. Le tétraplégique. Je ne prends jamais à partie les représentants politiques. Ils ont été élus et je respecte ça. Agnès Buzyn, Tibeth Ndiaye, Olivier Véran, Macron, ils leur ont fait une loi, ces fils de pute. En résumé, un spectacle pour toute la famille. Il est trash. Et encore, il n'y a pas tout. Tout passe, vous expliquez que tout passe chez le public, ils vous pardonnent tout, les gros mots, les vannes, sur à peu près tout, sur le genre, sur les religions, sur l'homosexualité, sur à peu près tout, sur le handicap, sauf une chose. Il y a une chose, alors pour le coup, qui ne passe pas, c'est…
je sais pas, vous parlez l'homéopathie. L'homéopathie. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est assez rigolo parce que dans mes spectacles, bon, il y a des passages, c'est un mélange de plein de choses, les spectacles, mais il y a toujours des sujets plus touchy que d'autres, des vannes un peu plus dures que d'autres, etc. Et puis, j'essaye toujours quand même dans le spectacle d'avoir aussi des moments un peu plus légers, ce que moi, j'appelle des sketchs un peu plus légers. Et donc, quand moi, j'écris le sketch sur l'homéopathie au départ, je le mets vraiment dans la classe des sujets légers, qu'on se marre pendant 20 minutes sur un sujet qui n'impacte pas vraiment les gens. Qui est pas... Et quand j'ai vu, quand j'ai lu et vu les réactions des gens dans les salles... Qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais c'est-à-dire que j'ai revu des trucs comme, vous savez, mon premier spectacle s'appelait Alléluia Bordel, où j'amenais la Bible, le Coran, la Torah sur scène et tout. Bon, c'était un spectacle très, très, très provocateur. Et les gens me découvraient. Donc j'avais des gens dans la salle qui se levaient en disant, mais c'est pas possible, on peut pas laisser dire ça. J'avais des trucs comme ça. Alors j'ai pas eu à ce point-là, mais j'ai vraiment eu des gens qui se lèvent, qui sont comme ça, qui quittent la salle sur l'homéopathie. Alors que j'ai fait des trucs abominables avant sur des sujets. Mais parce que c'est une croyance. Exactement. C'est-à-dire que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que. Parce que j'ai essayé de comprendre depuis maintenant quelques années que je joue ce spectacle. Alors, c'est aussi un des moments préférés des gens, forcément. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, on touche à la croyance. Donc, alors, c'est pas aussi véhément que quand vous pouvez vous taquiner la religion. Mais quand même, en fait, ça relève d'une certaine croyance. Et comme, en plus, c'est pas seulement les gens qui se soignent avec ça, c'est les gens qui ont l'impression de vous soigner avec ça. C'est-à-dire que les grands-mères, les mamans, elles vont appliquer de l'homéopathie à leurs enfants, elles vont mettre de l'arnica, elles vont donner des gélules. Mais c'est très bien parfois. Mais c'est très bien parfois, très certainement. Voilà. Comme les licornes, les fées, etc. Mais, attention, il va se lever. Mais non, mais c'est comme le bisou magique. Moi, je suis pas contre le bisou magique. Je dis juste qu'il faut pas le facturer. Vous dites, Jérémy, le succès, je le vis bien et pas bien. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que d'un côté, c'est tout ce que vous attendez dans votre vie. Donc, c'est incroyable à vivre, et, etc. Et en même temps, en fait, j'envie les gens qui arrivent à profiter de leur succès. Moi, je croise des gens, des fois, ça leur a donné tellement de... Je sais pas, ils ont confiance en eux. On dirait que l'avenir est déjà tout tracé, etc. Ça ne vous a pas donné confiance en vous? Ça m'a, si, certainement... Mais ça m'a pas rassuré sur l'avenir, quoi. Ça, vous pensez toujours que ça peut s'arrêter demain? Tout le temps, mais je veux dire, même les gens ont du mal ils pensent vraiment que je dis ça pour faire un bon mot, mais que je joue dans un... Je sais pas, là en ce moment, je suis en fin de tournée, alors on fait des salles des fois de 700, et le lendemain, je fais une 3000, et je vous assure que je joue dans une 3000, dans une 700, je suis dans le même état, même au bout de la 198e date de ce troisième spectacle, je suis terrorisé avant de monter sur scène. Mais être une star, faire des selfies, avoir la meilleure table au resto, vous aimez ça? Oh, la meilleure table au resto, c'est pas ce qui me... Les selfies, c'est très... Je sais que je me souviens encore de mon premier autographe. Ça m'avait vraiment marqué. C'était un monsieur avec sa fille qui m'a attendu à la sortie du métro. Et je me rappelle qu'il a sorti comme ça. Il avait les mains qui tremblaient en prenant son papier. Je me suis dit, mais qu'est-ce que... Je me sentais tellement pas légitime de donner les mains qui tremblent. Je me rappelle de ça. C'est surtout ça qui parfois est très étonnant. Et on se sent du coup, on se dit, il faut vraiment être à la hauteur, quoi, de ça. Est-ce que ça fait péter les plombs, le succès? Est-ce que vous avez pété les plombs? Moi, non. J'ai pas pété les plombs. En revanche, ça a été le déclencheur de ma dépression. Enfin, ça l'a accentué, mais pas parce que j'ai pas supporté le succès. C'est parce que j'étais convaincu que le succès allait apaiser mes problèmes et que ça n'a pas été le cas. Et donc, quand vous avez des psychiatres qui vous disent vous n'avez rien, tes proches te disent bah tu as tout. Et alors, t'arrives pas à... Écoutez, moi, je vais vous rassurer. Charlie Chaplin était exactement dans la même position que vous. C'est pas mal, non? Oui, mais il avait pas de texte à apprendre. Non, mais c'est beau ce qu'il dit. Il a toujours été angoissé, Chaplin. Les grands comiques sont des grands angoissés. Jean Poiret prenait 4 ou 5 tranxènes par jour. Jacqueline Maillan, 4 ou 5 tranxènes par jour. C'est parce que vous êtes angoissé et révolté que vous êtes comique. Il ne faut pas que ça s'arrête. Gardez votre angoisse. C'est votre flamme, c'est votre... Vous avez raison. Ah ben, elle a raison. Elle a raison. Vous savez que... Je vais vous dire, mais il n'y a pas d'exemple inverse. C'est ça qui est dingue. Il n'y a pas d'exemple inverse. Non, mais vous savez, je vais... Tous les grands comiques sont tous, de Louis de Funès à Fernand Reynaud pour les plus âgés, en passant par des jeunes générations, il n'y a pas de grand comique qui ne soit pas un grand angoissé. Vous savez, je vais juste rebondir sur ce que vous dites, parce que ça me fait penser à quelque chose que je trouve très chouette. Vous m'avez fait me rappeler de quelque chose. Il y a quelques années, je disais, quand on me parlait de ça, je sortais juste de cure de désintoxication, on me disait, si vous deviez échanger un esprit sain contre votre carrière, et je disais toujours... Je garderai l'esprit sain et j'aurais éliminé ma carrière. Et vous voyez, maintenant, je pense que ça va beaucoup mieux parce que maintenant, je me dis non, en fait, je garde ce cerveau parce que je me rends compte maintenant que j'arrive à mieux le maîtriser de tout ce qui m'apporte pour mon métier. Et vous n'avez jamais pété les plombs avec le succès? Une fois, oui, une fois, j'ai pété les plombs. C'était
à la fin d'une promotion, parce que moi j'adore ce métier, mais quand les gens vous posent, vous faites plein de télé, plein de trucs autour d'un film ou d'une télé ou d'une pièce, ils vous posent toujours exactement la même question et vous êtes obligé tout le temps de parler de vous, de parler de vous, de parler de vous. C'est très, très difficile. Et alors, vous avez fait un caprice une fois Non, je n'ai pas fait un caprice. C'est simplement, à un moment donné, j'ai dit à l'intervieweur que j'en avais marre de répondre toujours la même question et que l'interview était terminée et qu'il fallait essayer d'avancer un peu quelque chose. Vous avez pété les plombs, Darius. J'ai un souvenir. L'autodérision, je pense, est le meilleur vaccin contre toute forme de déséquilibre. Et le souvenir que j'ai, c'est Brigitte Fossé, que j'avais interviewé des années. Et j'avais oublié de commander la maquilleuse et la coiffeuse. Et vous savez, les stars de cinéma sont les plus difficiles, vous savez. Vous en accueillez plus que moi. Ça, un mystère du cinéma. Moi, j'ai connu des grands acteurs, je ne citerai pas de nom, acteurs très engagés qui disaient, par exemple, je veux bien parler d'une cause, mais il faut mon coiffeur à 3000 euros. Bon. Et Brigitte Fossé, était l'autre extrême. Je me suis dit, mon Dieu, c'est fichu, l'interview va tomber, elle ne peut pas. Et elle a pris la houppette de maquillage elle-même, elle s'est maquillée elle-même. Et elle a ri elle-même de la situation. Et je peux vous dire que c'est la seule, peut-être une des très rares actrices qui a assez d'autodérision et d'humour et de modestie, tout en étant, et je dis ça sans flagornerie. On peut avoir son caractère quand même. Oui, mais ça, il le faut aussi. Et c'est vraiment bon signe. Même avec des maquilleuses. En théâtre, on est en tournée, on se maquille, on se pomponne, on a l'habitude, on a deux vies. Oui, mais bon. Est-ce que le succès rend con ? À certaines personnes, oui. Est-ce que ça vous a rendu con ? Mais c'est horrible, parce que en fait, soit je dis que je suis un connard, soit je suis prétentieux en disant que je ne le suis pas. Alors c'est très dur. Non, mais pour être totalement honnête, je crois que le succès révèle qui vous êtes. Je pense qu'il y a des gens qui deviennent cons, mais qui l'étaient déjà avant. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Moi, je crois que ça m'a plutôt apaisé, parce que vous savez, en fait, avant, j'avais tellement de manque de confiance en moi et en mon avenir que j'avais l'impression qu'il fallait que j'explique aux gens que j'avais du talent. Et donc, ça me rendait très prétentieux et très arrogant. Et en fait, le fait d'avoir des salles pleines, ça m'a vachement calmé. Donc, je crois vraiment à l'unanimité de tous les gens qui me connaissent depuis 10 ans ou avant le succès, vous diront certainement qu'ils me trouvent plus sympa maintenant qu'avant. Ah. Le problème, c'est qu'avant, j'étais sur la défensive tout le temps. En fait, je me sentais agressé en permanence. Donc, j'arrivais sur un plateau télé, je me sentais agressé. Quelqu'un me faisait un truc, je disais, quoi, j'en sais rien. C'est pas possible. Donc là, c'est juste que je suis un peu plus apaisé et que j'utilise les colères au bon moment et Jérémy, les choses qui valent le coup. Est-ce que l'argent fait le bonheur ? Non, mais quand même. Non, mais je veux dire, faut pas raconter de bêtises aux gens. Je veux dire, moi, je sais ce que c'est de vraiment pas avoir d'argent. Racontez-nous vos débuts. C'est simple. Je suis né dans une famille modeste. J'ai grandi dans un quartier populaire. Mes parents étaient les commerçants du quartier, donc j'étais pas le plus à plaindre. Mais j'étais pas très. On n'est pas sur l'or du tout. Et après, quand je suis arrivé à Paris, mes parents, ils ont perdu leur magasin, etc. Donc, je me suis retrouvé un petit peu à me débrouiller tout seul. Et donc, moi, j'ai vraiment vécu le truc que beaucoup de gens vivent quotidiennement. C'est-à-dire, tu vas faire les courses, tu dois vraiment compter, te dire, ben non, je ne vais pas acheter de gruyère, je ne vais pas acheter de sauce tomate, je vais les manger comme ça. Enfin, de ne pas savoir payer. Moi, je sais que j'avais des radiateurs électriques chez moi, j'avais pas conscience du prix d'électricité. Quand je me suis retrouvé avec des factures à 100, 150 euros, je dis, ben non, en fait, on va plus mettre de chauffage dans l'appart. C'était la très, très belle époque. Non, parce qu'aujourd'hui, les radiateurs électriques, tu le regardes, tu le peins, tu le. Tu fais des trucs. Mais faut pas l'allumer, surtout pas. Jérémy Ferrari, superstar, super photocall. D'accord. Je vous montre une photo. Quelle question vous poseriez à Baptiste Le Caplain ? Ah, où est-ce qu'il trouve cette énergie ? C'est la seule personne. On est dans un bureau. Pourtant, moi, je suis hyperactif, etc. On est dans un bureau. Il est complètement fou, en fait. C'est-à-dire qu'il fait que tourner en rond comme ça, dire « Allez, on faut trouver des vannes, on trouve des vannes !» Il tape dans les murs, il ouvre les fenêtres. Vous savez qu'on travaille souvent vous les enfermez. Oui, mais parce qu'il faut bien que je l'enferme. Non, vous les enfermez dans une petite pièce. Dans une petite pièce, mais parce qu'il faut bien vous que les enfermez, laissez Baptiste Le Caplain pour trouver et des Arnaud de sa mère, parce que vous allez, en 2025, vous serez trio sur scène. Oui, donc, et c'est vrai que le bureau à côté, donc y a des gens du bureau qui travaillent, et quand les gens disent « c'est Baptiste qui travaille aujourd'hui ?» Oui, ils mettent tous, je vous jure que c'est vrai, il y en a deux qui mettent des oreillettes de musique, et il y en a une, elle a mis un casque de chantier anti-bruit. Je vous jure que c'est pas des métiers. Quand Baptiste est là, il y a un casque anti-bruit. Arnaud de sa mère, une question. Comment tu vas ? Parce que j'ai dû remplacer ta matinale sur Europe 1 parce que tu avais 42 fièvres, et j'ai dû donc aller à ta place à 9h du matin faire une matinale. Comment vas-tu ? Florence Foresti.
Ah, Florence Foresti, c'est que des questions? Oui. Ah, d'accord. Ou alors, vous pouvez lui faire une déclaration d'amour, si vous avez envie. Hein. Bien que ce ne soit pas à propos, vu qu'elle est quand même un tout petit peu elle est occupée en couple, sentimentalement. Elle est en couple. Qu'est-ce que je lui poserais comme question? Je pense que je lui dirais, comment fais-tu pour être aussi gentille? C'est un vrai truc, hein, parce que on est devenus amis, mais je la connaissais... Longtemps, je suis passé à côté, en fait, parce qu'on avait des amis communs, etc. Et donc, je l'ai rencontrée parce qu'elle avait vu Les Dieux Impossibles à la télévision. Et elle a écrit à Baptiste, qu'elle connaît très bien et qui est l'ami depuis longtemps, ou à Arnaud, un des deux, je ne sais plus, en disant « C'est vraiment génial, j'aimerais bien un jour faire un truc avec vous. » Donc, je la rencontre comme ça. Donc, j'étais non seulement doublement content, parce qu'il y a l'artiste que je suis qui découvre une icône de l'humour et qui, en plus, accepte de venir sur son programme. Donc, pour moi, c'était fou, quoi. Donc, j'étais extrêmement... Et elle est tellement gentille. C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous expliquer. Elle a cette espèce de bonté naturelle qui fait qu'elle vous détend, elle s'occupe de vous, elle fait comme une maman, en fait. Elle est adorable. Très rapidement, une question. Emmanuel Macron. Pourquoi ? Gabriel Attal. Pourquoi pas ? Pas mal. Pourquoi pas ? Rachida Dati. Faut qu'on déjeune, du coup. Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a encore quelques années, quand il avait encore un petit peu de crédibilité, on m'avait demandé pourquoi, par rapport à ce que je pense, etc., pourquoi je ne voterais pas pour Mélenchon. Et j'avais dit, je ne crois pas en quelqu'un qui se réveille révolutionnaire à 65 ans. Et donc, je lui pose la question, pourquoi tu te réveilles révolutionnaire si maintenant on punit... Mais bon, le contexte a changé maintenant. Paul. Est-ce que tu ne peux pas lui conseiller un truc en homéopathie pour le... Je peux essayer. Jordan Bardella. Jordan Bardella. Ben c'est pareil, c'est un peu pourquoi. Il y a des gens comme ça qui apparaissent et on se dit, il aurait pu faire d'autres trucs, mais il a choisi ça. Pascal Praud. Mais il les a pas là. Où as-tu acheté ces lunettes? Parce que je vous jure que c'est vrai, ma grand-mère, qui est décédée, avait exactement les mêmes petites lunettes rouges. Et quand des fois je le vois à la télé en train de les claquer, je dis, mais putain, les lunettes de ma grand-mère, arrête de les claquer. Judith Godrèche. Est-ce que ça va? Parce que c'est un vrai truc. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la polémique, etc., ou de tout ce truc autour d'elle en ce moment, parce que je trouve que ce qu'elle a fait est très, très courageux. Mais au-delà de s'exprimer comme ça, il y a un truc qu'on ne dit pas beaucoup et qui, moi, m'a sauté aux yeux dans tout ce qu'elle a raconté, qui est extrêmement touchant. C'est aussi le fait, vous savez, c'est très dur de parler publiquement, déjà c'est très dur de parler de ce qu'on a vécu, et c'est encore plus dur ce qu'elle fait, elle, parce qu'elle sait qu'il y a des images qu'on va ressortir ou qui contredisent ce qu'elle peut dire maintenant. Et donc c'est ça qui est très courageux. C'est très courageux de dire à un moment donné, écoutez, je sais que j'ai dit ça, mais vous savez quoi? Eh ben, j'ai changé d'avis. Et la vérité, c'est celle que j'ai maintenant. Et donc ça c'est très courageux. Jérémy Ferrari, vous lui dites quoi? Je lui dis, il faut dormir avant Bercy. Repose-toi avant Bercy. Bercy, anesthésie générale, les 9 et 10 mars prochains. Retransmis en direct au cinéma, dans tous les cinémas. Le 10 mars à 17h, moi j'irai au cinéma. Pas à Bercy, j'irai au cinéma vous voir. Et puis je veux aussi mentionner qu'il y a un film qui sort votre premier rôle, qui s'appelle Rokia, avec de Saïd Belktibia. Avec Goldshifté Farahani. Et ça sort le 1er mai. On aura l'occasion d'en parler. Jérémy, vous connaissez Sixtine? Je connais quoi? Sixtine, vous la connaissez? Non. Eh bien, elle a des choses à vous dire. Oula! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Arrête! Oh, dites donc! Arrête, ça fait mal, putain! Bon. Bonsoir. Bonjour, Sixtine. Vous êtes la chambre 612. Oh ouais. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Vous avez un prénom? Oui, Sixtine, ça va. Ça brûle, putain, pardon. Je m'appelle Sixtine et je fais vite parce que normalement, j'ai pas le droit de sortir. Parce que c'est à Sainte-Anne, ils sont pas très rigolos. Toupie! Okay. Arrête de tourner, putain! Ils sont où?
On est là. C'est quoi votre pathologie, Sixtine? Moi, je suis. Alors, je suis. Arrête avec les seins. Je suis calino. Je suis calino dépendante. Ah, ouais. Non. Ça veut dire que je ne peux pas m'empêcher, Léa. Léa, non. Léa. Non, je peux pas. Ah, Léa, j'ai peur. Non, je suis là, je te reniflais. Pardon. Je suis désolée. Pardon. Arrête, putain, je t'ai dit, c'est sûr. Mais depuis quand vous avez cette maladie? Ça a commencé. J'étais chez moi, et alors je regardais les infos, et en fait, c'était la guerre. Alors, je trouvais ça hyper triste et tout. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'arrête. Non, il faut que je fasse des câlins aux gens, parce que du coup, c'est. Arrête de tirer dessus. Et du coup, je me suis dit, je vais sortir de chez moi pour faire des câlins aux gens. Et du coup, je suis sortie, et j'ai fait des câlins aux gens, et ils m'ont fait, non, tu fais pas des câlins aux gens que tu connais pas comme ça. Moi, j'ai fait, si, tu fais des câlins aux gens que tu connais pas, parce qu'il y a des gens, ils se tuent et ils se connaissent pas. Il me fait, ouais, d'accord, peut-être, mais moi je te connais pas, alors tu me laisses tranquille. Je dis, oh, ça va, hein, je t'ai pas bien dans ton cul non plus, hein. Arrête, c'est génial. Non. Jérémy Ferrari, vous en pensez quoi? Jérémy, je vous l'envoie. Hein. Parce que les bras, ça pue. Ouais. Jérémy, c'est mon fou préféré. Parce que il est resté en liberté. Il a réussi à échapper aux messieurs qui veulent nous faire mettre des pulls et tout, qui s'attachent dans le dos. Et nous, à Sainte-Anne, c'est notre héros, quoi. Du coup, Léa, Elle t'a dit oui, putain, m'arrête. Pardon, je vais faire un texte, du coup, je peux peut-être lui lire. Allez-y. Je peux, Jérémy? Je peux. Vas-y, vous pouvez, vas-y. Vas-y, Sixtine. Je me chie dessus à un point, t'as pas idée. Quand j'ai su que tu venais, je voulais pas y aller. Toi, monstre de l'humour, du tacle et de la répartie, face à moi, débutante de la rime peu aguerrie. Alors j'ai câliné la peur pour lui tordre le cou, comme on dégueule la colère en criant un bon coup, et je t'ai fantasmé d'une super bonne humeur, me convainquant que tu me trouverais à la hauteur. Puisant dans tes douleurs, tu racontes tes addictions, pour prémunir ceux qui regardent la télévision. Jamais vulgaire, et dans une délicate douceur, qu'ils aillent tous se faire enculer quand tu n'es pas d'humeur. Pour beaucoup, on rumine cette même pathologie, celle d'évacuer la peine en faisant rire à tout prix. Si la vie est une pute, nous en sommes les proxénètes, déterminant le prix à payer pour cette odieuse raquette. La révolte est interne quand les verres sont teintés. Aux vitres des dirigeants, tu dénonces les calamités. Perfectionniste exigeant dans l'écriture, ta pugnacité t'honore, à poil dans ton armure. Ton spectacle écolo sur la fonte des icebergs fera même jusqu'à pâlir Greta Thunberg. Merci pour la leçon, l'engagement et le modèle. Enfin, quelqu'un qui parle vrai. Alléluia, bordel. Merci beaucoup. Jérémy, on fait un câlin, Jérémy. En fait, j'ai chouraque le téléphone de l'infirmière. En fait, on fait un selfie. Elle sera trop contente. Là. Attends, il faut que je mette dans le bon sens. Merci, Jérémy. Je te laisse. Charlotte Desnoyers. Merci Charlotte, à la semaine prochaine. Intense. On en vient à présent au plus célèbre des journalistes suisses de France, Darius Rochebain. Vous faites les meilleurs scores sur LCI le week-end. 6 heures d'antenne en direct le dimanche. 6 heures d'un coup de 18h à minuit. Vous publiez La guerre et la grâce, vos conversations avec une femme que vous avez admirée, qui nous a quittés l'été dernier, la patronne de l'Académie française, la tsarine, celle qu'on appelait la tsarine, l'impératrice, Hélène Carrère-Dancausse. On va y revenir, mais d'abord quelques mots sur vous et sur votre palmarès, mon cher Darius. Voilà, tous les gens que vous avez interviewés dans votre carrière, que ce soit à la RTS, à la radio-télévision suisse ou sur LCI, c'est bien simple, vous avez interviewé les plus grands, les plus inaccessibles, les plus controversés parfois, Vladimir Poutine, Yasser Arafat, Gorbatchev, le Dalai Lama, Greta Thunberg, Roger Federer, Kylian Mbappé, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Arnold Schwarzenegger. Enfin, vous les avez tous faits. Vous les avez tous faits et vous avez un rituel. Vous avez un rituel à la fin de chaque interview, le selfie que vous prenez. Regardez. Jean Dujardin, vous avez commencé le tournage de OSS. Comment on entre dans le rôle? Faites-nous le rôle. Eh bien. Bonjour la Suisse. Ah. Disons, ce serait une bonne idée d'avoir un OSS en Suisse, où il ne se passerait rien. C'est ennuyeux ce point-là, la Suisse. Pardon pour mon suédois, qu'est-ce qu'on dit? Lucatil, bonne chance. Lucatil. C'est ça. Kylian Mbappé, Roger Federer. Un exemple, un modèle, une légende. Pour tout le monde?
Tout le monde. Ouais. À son âge, vous ferez quoi? Je serai devant mon canapé et... Frau Präsidentin, vous parlez bien français. Merci. Alors, qu'est-ce que vous dites pour le sommet franco-allemand? Bonne chance. C'est aussi le... C'est celui qui fait le plus de selfies, mais je pense que c'est l'homme journaliste qui a le plus charmant sourire. Oh là là. Si, oh, si. Parce que moi, je trouve que Brigitte Fossé, c'est le plus joli sourire du cinéma français. Il a un sourire, à chaque fois, je le regarde beaucoup. Vous êtes un peu amoureux Non. C'est pas le genre. Mais là, si on revoit le mur d'images de tout ce que vous avez fait, qui vous a le plus impressionné en un mot ? Ceux qui sont en guerre, c'est-à-dire ceux... Alors, par exemple, Poutine, Zelensky. J'avais commencé en interviewant Arafat et Sharon, qui étaient aux deux extrêmes, l'un israélien, l'autre palestinien. En général, ceux qui sont en guerre, parce que c'est une question de vie ou de mort. Qui vous a le plus déçu ? En général, tous les gens, tous les fanatiques, tous les gens trop systématiques où on sait déjà ce qu'ils vont répondre. Vous n'avez pas de nom ? Bah, il y en a plein, hélas. Non, il y en a plein. Au début, Badinter, parce que Badinter, j'ai beaucoup interviewé Badinter, vous tenez un peu à distance, trop poli presque. Et puis vous vous rendez compte que c'est une manière de tirer vers le haut. Et en entrant dans son amitié, j'ose dire, eh bien, au contraire, c'était un charme extraordinaire. C'est marrant, vous disiez, vous, trop poli. Parce qu'on pourrait vous faire, on pourrait vous dire parfois trop poli. La politesse est une distance, évidemment. Celui qui, ou celle qui vous a le plus agacé? Ceux qui m'ont le plus agacé, c'est très difficile à dire. Moi, j'aime bien le côté polémique. Je vais vous raconter un souvenir, parce que c'était très désagréable, si on veut. C'était le président iranien, Ahmadinejad, extrémiste, fanatique. Et moi-même, je suis d'origine iranienne. Et il a compris ça. Et à un moment donné, après l'interview, il m'a dit « Si vous étiez en Iran, vous pourriez être pendu ». Alors, je trouvais un peu raide quand même, si j'ose dire. C'est le cas, c'est sympa. Et je lui ai répondu, et puis vous, peut-être que vous finirez sous un missile américain, aussi avec le sourire. Et j'ai bien aimé ça, ce côté un petit peu, on se fait des politesses, mais enfin, quoi qu'il arrive... Il y va, hein, Brigitte. C'est magnifique. Un mot de Churchill que j'aime beaucoup. Et le selfie après, c'était comment? Alors ça, j'ai pas... On s'est arrêté là. On s'est arrêté là. Il y a un mot de Churchill qui dit « Je ne déteste personne, à part Hitler et ses professionnels ». Et j'ai toujours bien aimé ça. Les interviews peuvent être très tendues, vous connaissez ça comme moi, ce qui n'empêche pas qu'on reste pour toi. Catherine Deneuve, vous dites, elle a été odieuse. Oui, mais je me suis repenti. Je me suis repenti depuis lors parce que c'est une immense actrice. Mais c'est vrai que l'interview était assez compliquée. Pourquoi? Parce qu'elle voulait rien comme vous donner. Comme ça, parce qu'elle faisait partie. Elle était dans une promotion et comme souvent les artistes en promotion, ils ont envie de vendre leur film, ils n'ont pas envie de sortir de parler d'autre chose, que je comprends. Mm. N'en parle pas, on a Brigitte Fossé dans 10 minutes. Une fois, vous avez donné une interview à Elle il y a quelques années et à la question. Quelle question vous vous poseriez? Vous avez répondu, vous vous souvenez ce que vous avez répondu? Vous avez répondu, es-tu un raté? On dit beaucoup de bêtises. Es-tu un raté? Vous vous êtes auto-posé cette question? Oui, parce que j'avoue que si je suis venu au journalisme, c'est par admiration pour l'histoire. Et je pense qu'on est journaliste un peu par ersatz. Au fond, je commençais par Arafat. J'avais une vingtaine d'années quand j'ai interviewé. Et je me suis dit, voilà, cet homme-là, je me suis fait la même réflexion avec Sharon, a un destin. Quand on est journaliste, on n'a pas de destin. On a à tout casser une petite notoriété, ce qui est déjà beaucoup. Une grande notoriété, tant mieux, mais on n'a pas un destin. Vous auriez aimé avoir un destin? Je pense que si on est historien, si on est journaliste, il y a un certain nombre de métiers comme ça où on est évidemment fasciné par les grands destins. Alors, ces conversations avec Hélène Carrère-Dancausse, immense historienne, spécialiste de la Russie, première femme élue à l'Académie française, mère de l'écrivain Emmanuel Carrère, mère aussi de Marina Carrère-Dancausse, qu'on connaît bien sur le service public. Hélène Carrère-Dancausse, elle est morte l'été dernier, à 94 ans, vous écriviez ce livre à deux voix, La guerre et la grâce. Et à la fin, juste avant l'été, elle vous dit au revoir. Et elle vous dit, on se voit à la rentrée, mon cher Darius, on a encore beaucoup de travail. Alors qu'elle se savait condamnée, non? Je ne sais pas dans quel état d'esprit elle était. Vous savez, elle adorait travailler à ce mot de Baudelaire, disant, il est plus amusant de travailler que de s'amuser. C'était elle, elle l'aimait vraiment. Elle avait une passion du travail. Et il faudra le demander à ses enfants. Ben ça, c'est le secret de leur famille. Je ne sais pas comment ils le raconteront un jour. Mais évidemment, sans doute, c'était sa façon à elle d'affronter. C'est-à-dire d'affronter tout. Parce qu'elle était très malade. Voilà, que même pour aller à l'hôpital, elle a tenu à être habillée d'une certaine manière. C'était une manière d'affronter tout. Elle évacuait les problèmes en disant « c'est très amusant ». Ce qui était une manière de très grande dignité et de tenue. Qu'est-ce qui vous a fasciné chez elle pour lui consacrer ce livre? Sa liberté, son ambition, son goût du pouvoir, sa violence aussi derrière cette apparence très bourgeoise? Bien sûr. D'abord, très grand mérite. Mérite républicain extraordinaire. Elle part vraiment de rien. On parlait tout à l'heure des gens fauchés. Au début, ils sont à 4 dans 24 mètres carrés. Ils n'ont même pas de couteau pour la viande.
Mais oui, parce qu'elle naît très pauvre. C'est vrai qu'Hélène Correr-Dancos, on l'a toujours vue avec ses frères ah oui, Chanel. On a le sentiment qu'elle vient de oui. grande famille. Non, oui. famille Alors, très pauvre russe, apatride, arrivée en France. Ce qui était la vraie valeur, c'était la culture. Parents d'une culture incroyable, elle ramène des caisses, vous savez, de tout ce qu'elle a de son passé illustre, enfin, la famille avait un passé illustre de Russes exilés, il ne reste que des caisses. D'ailleurs, sa mère, pour rire, elle disait, nous, on n'habite pas dans du Louis XVI, mais dans du Louis Caisse. Et dans ces caisses, il y avait du Hugo, du Victor Hugo, qui était sa grande passion. Donc, elle part de là, qui est la misère vraiment absolue, elle a eu faim. Elle a eu faim, ou un peu faim, c'est très rare quand même, les gens qui... jusqu'à l'Académie française et le fauteuil de Victor Hugo qu'elle lisait enfant quand elle avait que le Louis Caisse. Grande spécialiste de la Russie, elle s'est quand même beaucoup trompée sur Poutine, qu'elle connaissait. Et c'est vrai que... Une semaine avant l'invasion, elle vous a dit, je la crois, veille. La veille de l'invasion, elle vous a dit, Poutine est un homme rationnel, conscient des risques, qui sait que l'Ukraine est un très grand pays, trop essentiel à la Russie pour qu'il puisse se lancer dans des telles actions inconsidérées. Même chose 2 ans avant sur Navalny, quand Navalny avait été empoisonné, avant qu'il meure dans les geôles de Poutine, elle disait, Poutine, qui est tout sauf un imbécile, n'a évidemment pas empoisonné Navalny. Elle ne sait pas tellement trompé que cela en réalité. Mais c'est vrai, et c'est là où peut-être, moi je suis un tout petit journaliste, c'était une très grande historienne, mais j'avais une connaissance qu'elle avait moins sur le tard, c'est-à-dire que j'ai beaucoup interviewé toute la direction actuelle de la Russie. Les Poutine, Narychkine, Volodine, Lavrov, tous ces gens-là, je les ai... Et je lui disais, attention, ce sont des gens qui ont un culte de la violence qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et dans le livre, elle revient à cette instruction-là, en comprenant qu'effectivement, il y a une tradition de violence chez eux qui n'est plus le côté un peu embourgeoisé de l'Union soviétique finissante qui voulait surtout gérer l'acquis, mais qui veut au contraire une reconquête par l'extrême violence. Poutine, vous avez été un des rares à l'interviewer, c'était en 2015, on va l'écouter. Est-ce qu'une nouvelle guerre est possible en Europe aujourd'hui ? J'espère que non. Mais il faudrait que l'Europe manifeste davantage son indépendance et sa souveraineté. Et qu'elle soit capable de défendre ses intérêts nationaux et les intérêts de ses peuples et de ses pays. Vous dites j'en garde, c'est fou quand même ce qu'il vous dit là. Il n'y aura pas de guerre si l'Europe sait se défendre. Oui, sous-entendu se libère des États-Unis. Oui, c'est ça qu'il veut dire à l'époque. On l'aura compris. Vous dites j'en garde un bon souvenir de mon interview avec Poutine. Oui, le paradoxe c'est que ce sont des gens qui ont vraiment le pouvoir. Les dirigeants occidentaux souvent pensent à ce qu'on va dire sur Twitter, ce que le monde va écrire ce soir, etc. Poutine, dans son pouvoir absolu, dictatorial, bien sûr, c'est un pouvoir dictatorial, vous avez face à vous quelqu'un qui dit vraiment des choses jusque dans l'extrême violence. Et d'ailleurs, j'avais eu beaucoup de peine à accéder jusqu'à la salle qu'on a vue là, et je lui ai parlé de Lénine. Et j'ai compris qu'il avait encore, par plein de côtés, il méprisait Lénine, mais l'extrême violence avec laquelle Lénine est arrivé au pouvoir, il l'admirait. Vous lui avez vraiment demandé à Poutine s'il était fou ? Oui, il y a un moment donné de toute façon, Poutine n'a pas peur de grand-chose. Il vous regarde, il est très proche de ses policiers. Il y a un côté interrogatoire de police. Ce côté, vous lui posez la question, il dit oui, « je sais déjà ce que tu vas me poser comme question ». Il parle assez bien allemand. On a parlé allemand d'ailleurs ensemble, je reste d'allemand scolaire. Il parle assez mal français en revanche. Oui, c'est vrai, je lui ai demandé ça. Aujourd'hui, hier, il a répondu quoi ? Est-ce que je vous parais fou ? Voilà. Et vous en pensez quoi ? Et vous avez répondu quoi ? Oui, j'ai fait la façon des jésuites et des KGBistes. Voilà, je dis là, apparemment non. Donc, apparemment, et vous pensez qu'il est fou ? Non, je ne pense pas. Je crois que c'est vraiment un milieu qui, effectivement, et c'est là peut-être où Hélène Correr-Dancos avait sous-estimé cela, est dans la continuité du recours à l'extrême violence. Et c'est ça qui est très dangereux. Des cette gens semaine ? Qui considèrent qu'en réalité, la Russie a été grande dans la guerre. C'est-à-dire que la Russie a été grande quand elle a été à l'extrême de l'agression, contrairement à notre intuition d'Europe de l'Ouest, qui fuit évidemment la guerre. Cette semaine, Poutine a été très clair, il est monté un peu en crescendo, il menace l'Europe d'une réaction nucléaire, d'une guerre nucléaire. Vous pensez que ça peut... il y a une part de bluff. Il y a évidemment une part de bluff. Surtout, je ne me permettrai jamais de faire des prévisions. Mais le bluff fonctionne. Il faut être conscient. J'ai eu, moi, des appels privés d'ambassadeurs, de ministres, qui, les mêmes parfois qui en plateau vous disent « allons, n'exagérez pas », etc., vous disent « mais quand même, si ça devait arriver, où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qui se passe ?» La part irrationnelle, le nucléaire est quelque chose de tellement terrifiant que le bluff fonctionne. Ce qui est sûr, et c'est une des intuitions les plus fortes du dialogue avec Hélène, c'est que
sans doute que son but de guerre, c'est la guerre elle-même. C'est-à-dire cette intuition que la Russie en paix est une Russie déclinante, démographiquement, économiquement, par le commerce, par la technique. Il a besoin de la guerre, c'est ça que vous dites. Et au fond, il prospère dans la guerre. Et c'est la vérité de son règne, et c'est aussi la vérité de l'Union soviétique. Et face à ça, nous, notre vérité, c'est quoi la vérité des Européens ? Réarmer, évidemment, et c'est en ça que tout le débat actuel est extrêmement fort. Et se préparer à une guerre, la phrase d'Emmanuel Macron qui a suscité tellement de réactions lundi dernier quand il dit qu'il faut se préparer à peut-être à un moment passer à des troupes au sol officiellement. C'est une croisée des chemins. Et ce que dit Emmanuel Macron, on est d'accord ou non, mais ça rejoint ce qu'Anne Karenkos dit à un moment de la conversation, c'est-à-dire nous sommes entourés de puissances qui pratiquent la guerre d'agression. Nous sommes, nous, l'exception. L'exception, ce ne sont pas les autres. Les États-Unis ont pratiqué une guerre d'agression, guerre d'Irak, très grande guerre d'agression, démocratie, mais capable de cela. Les Chinois, les Indiens, etc., agressivité beaucoup plus grande. Et nous, nous vivons dans ce rêve qu'on pourrait éviter toute forme impériale, alors que les puissances, où elles avancent, où elles reculent. Ça n'est pas vrai qu'une puissance puisse rester immobile, gentiment, avec seulement le commerce loyal, hélas. Jérémy Ferrari, je sais que vous êtes passionné par ces sujets-là, que vous, la géopolitique, depuis que vous êtes tout petit, vous suivez ça. Vous avez peur, là, de ce qui se passe ? Vous craignez une escalade ? Il y avait ce sondage qui disait que quasiment 75% des Français avaient vraiment peur maintenant de la guerre d'Ukraine. Ça revient vraiment au milieu. Non, j'ai pas spécialement peur. Je crois que je me méfie aussi un petit peu justement de la presse. C'est bien ce que vous dites parce que pour le coup c'est pondéré. Vous avez tout à fait raison. Mais bon, c'est normal. La presse, elle a... En fait, à partir du moment où vous mettez un zoom sur quelque chose, alors vous avez 75% des gens qui vont se dire « Waouh, ça c'est forcément difficile, c'est forcément quelque chose qui va arriver, c'est forcément quelque chose qui va vous faire peur ». Si vous jouez si vous parlez d'un virus, si vous parlez d'un nouveau cancer, si vous parlez de n'importe quel truc potentiel qui peut arriver, si vous le mettez à la télévision, ça va faire peur. Sauf que la veille de l'Ukraine, tout le monde était d'accord, à part les services de renseignement américains, pour dire « Bon, OK, il n'y aura pas la guerre, il ne va pas rentrer, etc. Non » Non, les Américains ont vu, et ce n'est pas un hasard, parce que les Américains, justement, comme je le disais, eux ont ce sens de la guerre que nous avons perdu. Et dans leur logique à eux, faire la guerre, c'est forcément la loi du monde. Et le fait fût là, la guerre allait arriver. Aujourd'hui, il paraît que dans les hautes sphères chez nous, en France, dans les très hautes sphères, il paraît que tout le monde... est un peu stressé. Non, mais personne ne sait, il faut être franc, là. C'est Madame Soleil, sinon personne ne sait comment les choses vont évoluer. Bravo, bravo. Non, moi ce que je veux simplement dire, c'est que je ne suis pas de nature à m'inquiéter avant que les choses n'arrivent. Et donc, je pense qu'avant qu'on se retrouve avec un Poutine qui balance une bombe nucléaire sur l'Europe, je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes avant d'arriver à ça, et que même si ça arrive, de toute façon, on ne sera pas là pour en débattre, ni pour vous le reprocher de ne pas l'avoir prévu. On aura d'autres choses à faire. La seule réponse, c'est l'extrême lucidité, c'est-à-dire voir pas à pas l'extrême lucidité. Vous aviez Sylvie Vartan tout à l'heure. Ouais. Moi, je rappelle toujours à quel point on a vécu, nous, dans l'illusion de la paix, alors qu'on abandonnait à l'Union soviétique les Bulgares, les Roumains, les Pays-Bas, les Tchèques, etc. Donc, en réalité, à un moment donné, l'égoïsme des nations amène le pire ou le meilleur, c'est selon. Brigitte, Théo, ça vous suivez l'actualité ? C'est quelque chose qui vous angoisse ? Oui, je suis, mais bon, je ne suis pas une spécialiste de la guerre, bien que j'ai joué dans Jeux interdits. Mais franchement, là, actuellement, je suis un peu perdue, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas par moment. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé au moment où on a dit c'est la fin de l'histoire, on n'a plus besoin du service militaire, on n'a plus besoin des sous-marins, on n'a plus besoin des armes, on n'a plus besoin de rien. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens ? Qui a dit ça ? Qui a inventé cette histoire de la fin de l'histoire ? De la paix perpétuelle. L'histoire, elle terminera, pour nous, elle terminera, mais l'histoire elle-même, elle terminera jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Il s'appelle Francis Fukuyama, celui qui l'a théorisé. On est rattrapé par la guerre, et quand on veut le nier, c'est la réalité qui se rappelle à nous. La guerre et la grâce, cette conversation inachevée avec Hélène Carradenfos. C'est chez Fayard, c'est passionnant, ça dit énormément, ça explique énormément. C'est très court, mais il y a tout. Il y a tout ce qui se passe aujourd'hui, la Russie et l'Ukraine. Et puis on vous retrouve sur LCI ce week-end. Comme tous les soirs, on vous laisse y aller d'ailleurs sur LCI. Merci beaucoup, Darius Rochebain. Merci infiniment. Merci. Dans quelques instants, on va retrouver Philippe Cavrivière qui est en train de se préparer avec toute son équipe. Voilà comment il se prépare, Philippe Cavrivière.
Voilà, comment il se prépare, Philippe Cavrivière? On va recevoir cette agricultrice qui a ému toute la France en criant son désespoir et en lançant une cagnotte. C'est la belle histoire de la semaine, on n'en a pas beaucoup. Et cette fille-là, elle est bouleversante. On va la recevoir dans quelques instants. On parlera aussi de vous, Théo, et de votre bel instrument. Mais d'abord, ma chère Brigitte, vous êtes l'actrice française qui a aujourd'hui la carrière la plus longue du cinéma français. Voilà. Vous avez commencé à l'âge de 5 ans dans Jeux interdits de René Clément. Ça fait 70 ans que vous êtes dans le paysage cinématographique. On vous a vu comme maman de Sophie Marceau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ça, une guitare. Ça, Léa, c'est un moment très gênant. Voilà. Le moment tu ne sais pas. Vous ne savez pas, jeune homme. Je te coupe juste parce que vous avez prononcé Jeux interdits. Je pense que la plupart des gens d'ici de moins de 40 ou 50 ans, ne savent pas de quoi il s'agit. Et comme je suis un lagoyafiste, si vous permettez... On dirait... Je ne sais pas trop l'apprendre. Bon, je vais répéter, non ? Je l'avais dit. Malaise télé. Ah, merde. Malaise télé. Attendez, je l'avais tout à l'heure. Mais je ne vois pas la corde, je suis trop gros. Attends. C'est là. Non, c'est pas là. Ah, mais c'est pas la bonne corde, quel con. Ah, c'est la dernière. Mais pas du tout. Pas du tout. On me dit à l'oreille, prends la dernière. Applaudissements. Ce qui m'étonne le plus dans ce qu'on est en train de voir, ce qui m'étonne le plus, c'est pas Christophe qui essaie désespérément de jouer de la guitare, c'est que je vois que sur le côté de la guitare, on a mis un micro, ça veut dire que quelqu'un y croyait vraiment. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Il y a un moment donné, il faut que quelqu'un lui enlève la guitare. Hein. Arrêtez, Christophe. C'est gênant. Non, c'est très arrêtez, beaucoup, Christophe. Ça. Vous avez joué dans La Boum, la maman de Sophie Marceau, la maman de Vic. Vous avez joué dans Les Valseuses. Vous avez joué dans L'homme qui aimait les femmes de Truffaut. Vous avez joué dans plein d'autres films, qui ont même dans Le Château des Oliviers, pour ceux qui regardent à la télé, qui a un immense succès populaire. Mais dans la rue, est-ce que c'est de La Boum dont on vous parle le plus à la fin des fins? Non, on me dit « Bonjour Brigitte, comment ça va ?» Ah ben voilà. Depuis le temps qu'ils me connaissent, c'est génial, j'ai l'impression de faire partie de leur famille. Mais c'est vrai que moi, pour ma génération, vous restez la mère de Sophie Marceau. J'ai vu La Boum 850 000 fois. Et c'est vrai que vous avez failli refuser le rôle? Oui, parce que je trouvais que j'étais trop jeune pour jouer le rôle d'une mère, d'une fille de 13 ans. Parce que ma fille avait 11 ans. Alors... Alors, mon professeur de théâtre, Andreas Voutsinas, qui avait été l'assistant de Strasbourg, m'a dit « Toi folle, ma fille, toi folle, si toi pas faire La Boum, parce qu'il était d'origine de Khartoum, si toi pas faire La Boum, moi, plus jamais parler avec toi. Toi pas peur pour vieillir. Si toi pas peur pour vieillir, toi jamais vieille. Mais si toi peur pour vieillir, toi toujours vieille, maintenant. » Et il avait raison. Et il avait raison. Il avait raison. Et vous, pas peur de vieillir? Maintenant, plus jamais peur. Et non. Vous avez eu peur de vieillir? À 30 ans, c'était horrible. J'ai cru que l'enfance était terminée, que l'adolescence était terminée, qu'il n'y avait plus de rêve, qu'il n'y avait plus d'ouverture. Je pensais que l'avenir, c'était seulement pour les jeunes. Et qu'après 30 ans, il n'y avait plus d'avenir. J'étais désespérée. Comme... C'est... Je ne m'attendais pas à la suite. Elle m'a mis une balle à la tête en partant. Vous savez qu'aujourd'hui encore, La Boum reste un film qui est ultra regardé et que la musique de La Boum, je ne sais pas si vous savez, mais la musique de Sophie Marceau quand elle est dans le cours de danse, c'est une des musiques les plus téléchargées sur TikTok. Regardez. Pardon. Christophe ne nous l'a pas joué à la guitare, mais il danse merveilleusement bien. On est d'accord. Ouais. C'est vous, Christophe. Oh, vous êtes malade. Vous lui ressemblez. Oh, énormément. En tout cas, là, vous êtes de retour au théâtre.
pour les Fables de La Fontaine. Dans La Fontaine en fables et en notes, que vous jouez jusqu'au 25 mars au théâtre de Poche-Montparnasse. Vous ne lisez pas les fables, vous les incarnez. Ah non, vous je les joue, je les sais par cœur. Et je oui, les joue. Vous les jouez, vous êtes les animaux, vous contorsionnez. Enfin, ce n'est pas juste une petite lecture, c'est vraiment vous les incarnez, vous les interprétez, ces Fables de La Fontaine merveilleuses. Et vous êtes accompagné d'une grande pianiste qui s'appelle Danielle Laval. Vous regrettez qu'on ne les enseigne plus vraiment, ces Fables de La Fontaine, à l'école ? Écoutez, en fait, j'ai voulu faire ce spectacle parce que je voulais rendre hommage à un ami musicien qui avait une passion pour les oiseaux et qui m'avait demandé de faire les Fables de La Fontaine avec lui. Et puis, il nous a quittés, il est devenu un oiseau du ciel lui-même. Et donc, j'ai voulu travailler avec Danielle Laval pour la cinquième fois parce qu'on avait fait ensemble des choses très amusantes, notamment sur la gourmandise. Et avec le texte de Bria Savarin, et elle jouait des petits morceaux. Elle est très gourmande et on adore travailler ensemble. C'est une immense pianiste. Hein. C'est une immense pianiste, oui. Elle a été distribuée par EMI. Elle est la seule en France à avoir donné les adaptations pour le piano de Nino Rota. Elle est la seule. Toute l'œuvre intégrale de Nino Rota, le musicien de Fellini, et aussi... Elle a été la seule à donner toute l'œuvre de piano de Michel Legrand. Les jeunes, quand ils disent « ça nous saoule, les Fables de La Fontaine », vous leur dites quoi ? Mais je vais vous dire un truc. Les jeunes, quand ils lisent Molière ou quand ils lisent les Fables de La Fontaine, ils sont là, ils lisent. Et puis tout à coup, vous arrivez et vous leur jouez tous les personnages. Et tout à coup, vous arrivez, même vous faites une lecture, vous animez, vous jouez tous les personnages. Vous jouez Harpagon, vous jouez Célimène, tout ça. Ils disent... Ah mais c'est ça le théâtre, ah mais c'est ça la poésie, mais nous on adore ça. Et c'est ce que je fais moi dans toute la France avec Daniel. Est-ce que vous acceptez de nous faire le corbeau et le renard avec Christophe de Chavannes ? Le corbeau et le renard. Non, reste assis. Est-ce qu'on peut apporter du Tranxène ? Oh la vache. Non mais c'est pas écrit comme ça. Hein. Être corbeau sur un arbre perché, bon. Tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, eut à peu près ce langage. Hey, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Oh. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Il faut montrer sa belle voix. Il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Génial, bravo, Brigitte. Merci Brigitte Fossé et Christophe. Brigitte, je peux pas ne pas vous parler d'un des rôles les plus emblématiques. Là, on retourne au cinéma. Je vous ai parlé de La Boum, de José Attendi, mais moi, je voudrais parler des Valseuses, un film qui a marqué toute une génération et qui a tout juste 50 ans aujourd'hui. Vous n'avez qu'une scène dans Les Valseuses. Vous n'avez qu'une scène, mais quelle scène ? Jean Genet disait que c'était sa scène préférée. Cette scène où vous êtes une jeune mère dans un train qui allait de son bébé avant de se faire embêter, harceler, agresser même par le duo de Loubard, Depardieu, Devers. On revoit cet extrait. Enfin, il est hypnotique. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu donnes la tétée à mon pote. C'est un grand amateur de lait. En plus, il est né de mère inconnue. Je suis sûr que ça lui ferait plaisir. Alors vieux, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Ouais. Alors vas-y, à toi de jouer.
jouer. Je peux pas voir ça, c'est pas de mon âge. Et alors, elle s'est fait engueuler. Elle s'est fait engueuler par son papa, qui était furieux cette scène, n'est-ce pas? Oui, bravo. Oui. Je vous en prie. Il m'a dit, il y a une chose que je te pardonnerai pas, c'est d'avoir joué dans Les Valseuses. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que c'est une image de la femme qui est terrible et qui l'abîme, et je ne veux pas qu'on abîme l'image de la femme, et je ne veux pas qu'on abîme ton image. Mais mon père était extraordinaire parce qu'il avait énormément d'humour. C'était un rabelaisien, il nous lisait du Rabelais quand on était petits. Et il avait une richesse du langage, une passion pour le comique. Il était très, très drôle. Il avait un côté de Charlie Chaplin. Mais en même temps, en tant que père, il était un père. C'était un peu comme Bourvil. Et effectivement, voir cette scène-là quand on est un père... Ça l'a fait souffrir terriblement. Mais vous, aujourd'hui, la revoir, c'est difficile. Vous avez tourné les yeux. Ah, je ne peux pas voir. Non, pourquoi? Mais pourquoi? Je ne peux pas voir parce que c'est une agression, parce que en plus, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand une fille est troublée, que ce soit parce qu'elle a besoin d'argent, là, c'est parce qu'elle a besoin d'argent. Quand on voit son mari qui l'attend sur le quai, on voit bien que bon, c'est un garçon de la troupe. Ils n'ont pas un sou pour acheter le lait du bébé, c'est évident. Mais... qu'en même temps, quand une fille est troublée, elle est vulnérable, elle ne peut pas se battre. Or, d'ailleurs, ça ne servira à rien de se battre, parce qu'il y a deux personnes très fortes qui peuvent vraiment lui casser la gueule et faire ce qu'ils veulent. Mais quand même, c'est une scène sur le trouble, je crois. C'est une scène sur le trouble, et je ne connais pas une seule fille, une seule petite fille qui n'ait pas été troublée à un moment donné, par un geste déplacé d'un homme plus âgé. C'est une agression, c'est un trouble. C'est-à-dire, la véritable agression, c'est d'agresser le libre-arbitre, c'est d'agresser l'âme, c'est d'agresser la volonté. C'est qu'à un moment donné, on vous fait quelque chose, on vous touche au moment où vous n'y attendez pas, et vous êtes tellement paralysé, vous dites c'est un cauchemar, et tout à coup, vous n'êtes plus dans la réalité, et vous n'avez plus ce qu'il faut pour vous battre. C'est ce regard que vous avez, où à un moment, vous êtes tellement agressé. Je ne sais pas si vous voyez, vous levez les abandon, yeux, ouais, vous coupez de votre corps, faites ce que vous avez à faire. Ouais, c'est horrible. Et j'ai trouvé très beau le texte de Judith Godrèche, le jour des Césars. J'ai trouvé qu'il était très digne, qu'il était très pur, qu'il était vraiment ciselé. Et j'ai trouvé qu'elle a eu beaucoup de courage de lire ça comme ça, et j'étais très heureuse de l'accueil qu'on lui a fait. Gérard Depardieu, vous avez signé la fameuse tribune de soutien par amitié. Oui, parce que je suis une amie de Julie Depardieu et qu'une semaine avant, elle m'a dit, il est tellement triste, il vient dîner 3 fois par semaine, il est perdu. On me téléphone, on me dit, voilà, on signe pour Gérard parce qu'il n'a pas le moral. Comment on peut refuser une chose pareille? C'est impossible. D'autant plus qu'avec moi, il a été absolument correct. Mais bon, et en plus, Badinter disait toujours, c'est lui d'ailleurs qui a institué cette chose, je crois qu'on ne peut pas juger les gens avant qu'ils aient été vraiment jugés par la justice. C'est devenu presque stalinien dans la mesure où la première personne venue peut dire « Ah non, celui-là, il faut le mettre en prison ». C'est un peu exagéré, mais je trouve formidable parce que ça remue de l'air et ça fait parler du problème des femmes, et tant mieux. 5 plaintes pour agression sexuelle déposées contre Gérard Depardieu, je tiens à le préciser. La Fontaine, en fable et en note, avec Daniel Laval au piano. C'est au théâtre de Poche-Montparnasse à Paris jusqu'au 25 mars prochain. Merci. Vous restez avec nous et on accueille tout de suite Philippe Cabrivière. Ça va, mon filou? Bonsoir à tous. Vous allez bien? Oui. Vous êtes en forme? C'est une très belle émission, ce soir. Vous avez ramené vos livres. Oui, c'est ça. Ça fait le mec qui a bossé un petit peu. Contrairement à Darius, qui s'est barré avant mon intervention. Mais bref, il a peur de mes analyses. Alors non, c'est une belle émission. Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est une bonne ambiance. Ah ouais. Et vous savez pourquoi il y a une bonne ambiance? Parce qu'il y a une cohésion entre les invités. C'est important, la cohésion entre les invités et dans l'équipe. Il est content.
Enfin, je me comprends. Alors, la semaine dernière... Je la comprends. La semaine dernière, vous avez regardé l'émission... Laquelle? Non, vous n'avez pas vu la semaine dernière l'émission. Vous avez bien fait, c'est pas terrible. C'était pas Good Vibe. Alors déjà, on recevait François-Marie Bagnier, qui est le mamie-sitter le mieux payé de France. Très belle photo à la volée. Oui, elle n'était pas chiche pour une milliardaire. Voilà. Alors, il lui a pris 900 millions d'euros à mes mères. Mais là... Ah, elle lui a donné. Oui, enfin... voilà. Mais là, avec nous, François-Marie, il a passé une très mauvaise soirée. Alors, pourquoi? Parce qu'il a dragué nos petites mamies du public. Et forcément... C'est pas le même porte-monnaie, le compte n'y était pas. Bon, il est reparti seulement avec 20 balles, un dentier, deux sonotones, des bas de contention, certes en dentelle, et un stérilet. Passé 80 ans, c'est de la déco, mesdames. Voilà, donc... Pardonnez-nous, mais... Philippe, vous vouliez dire un mot d'une polémique qui concerne notre émission? Oui, on va crever l'abcès. Une polémique... sans fondement, une polémique ridicule. Si comme Léa, vous ne ratez jamais TPMP et ne loupez jamais une alerte Morandini, vous en avez certainement entendu parler, il y aurait une mauvaise ambiance dans l'équipe de Quelle Époque. C'est faux. Entre cette connasse de Léa, cet abruti de Christophe et ce petit bâtard de Paul derrière moi, l'ambiance est au beau fixe et c'est faux. Voilà, on s'adore et il y a eu aussi une accusation saugrenue. J'aurais 7 auteurs, voilà, et c'est un mensonge, c'est de la diffamation. J'écris évidemment seul mes 47 chroniques hebdomadaires, 47-48, comme disait Morandini, quand on aime, on ne compte pas. Et la majorité de... Alors, la majorité de toutes... C'est... Alors, ça, c'est mal écrit, il y a un souci de... Pardonnez-moi, est-ce qu'on peut... On peut couper, parce que j'ai un doute sur mon texte. Non. Alors, en fait, je vous dis la vérité, j'ai un auteur quand même. On peut appeler Jonas. Pardon. Jonas, mesdames, messieurs. Deux secondes, on coupe et on reprendra. C'est là la vanne sur les 45. Là, non, ça, c'est pas la mienne, c'est celle de Clément, je crois. Merde, on coupe. Clément. C'est la vanne de Morandini, c'est pas moi, c'est Rémi. Putain, Rémi, la vanne de Morandini, ouais, mais. Là, les gars, c'est la vanne de Morandini. C'est les autres. C'est les autres, putain, les gars, alors... La vanne de... Ouais, la vanne sur Morandini, excusez-nous, parce que ça fait pas trop. La vanne sur Morandini. En plus, la blague, Philippe, c'est pas ça. La blague, c'est... Et comme dirait Morandini, la majorité, c'est 45 kilos. C'était ça. Et ça, c'est marrant, ça. Vous vous mettez à 12 pour faire une vanne sur... Oh putain, vous me foutez la honte devant Ferrari qui écrit tout seul, lui, putain, en plus. Allez, dégagez. Excusez-moi. Pardon. Très malaisant. Donc quoi, vraiment, ce qu'on raconte sans nom. On raconte vraiment c'est quand même, hein, on les embrasse. Alors. Philippe, vous êtes ravi ce soir parce que vous avez lu le livre de Darius Rejbin. Oui, j'aurais aimé en parler, mais la il n'est pas là. La guerre et la grâce. Oui, alors... Qui dit littérature dit petite papeterie. Alors, la petite papeterie, c'est quoi? C'est notre émission littéraire. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour une émission littéraire? Il faut une lumière un petit peu tamisée. Il faut une petite musique de jazz, hein, parce que là, ça fait intelligent, jazz. Et puis, une petite coiffure décoiffée. Parce que... Alors, les chroniqueurs littéraires, ils dorment avec les bouquins, donc ils n'ont pas le temps de se coiffer. Et puis... Les lunettes, tout de suite, ça fait un petit peu moins con. Alors, la petite papeterie, ce soir, c'est pour qui, la petite papeterie? C'est pour les gens qui aiment liser et qui croivent. Il y a des gens qui croivent encore que la littérature, Léa, peut sauver le monde. Alors, Darius s'est barré, mais son livre est formidable. Ah non, pas douter, voilà. Il va faire un best-seller, mais on va parler des petits auteurs qui vont vendre 12 livres. Alors, il y a un livre magnifique, on commence par « Guerre et guerre ». C'est d'Emmanuel Macron. Eh oui, bah, depuis le salon de l'agriculture, il est énervé, il veut taper des gens. Voilà. Alors, dans la série aussi, il y a les frères Kalachnikov. Les frères Kalachnikov, c'est le récit de la famille Delon et de leur amour pour les armes à feu. Delon. Ça, voilà, ça c'est une très belle photo, c'est la dernière photo où il pouvait s'encadrer. Voilà, il faisait semblant. Alors, on a aussi dévoré La Petite Papeterie, un roman érotique, c'est aussi de la littérature. Mille et une nuits sous hypnose de Gérard Miller. Gérard Miller,
été aussi l'auteur du pelotage au bout de la nuit aux éditions Albin Pucelle. Je vous encourage à le lire, ce salopard. Brigitte, alors, aime beaucoup. Bien sûr, là, maintenant on va changer d'univers, on revient à la guerre avec un livre sur la guerre, Marche ou Kiev, de Volodymyr Zelensky. Marche ou Kiev, il est là. Ça, c'est encore mon GG Miller. On peut le balancer, on n'a rien à foutre. Alors, Marche ou Kiev, c'est Volodymyr Zelensky. Alors, dans la série, après Marche ou Kiev, si vous êtes allergique au gluten, mais que vous supportez le plutonium bio, Vladimir Poutine vous propose son livre de cuisine. 50 recettes pour partir léger. Une cuisine minceur ou comment perdre 37 kilos en 6 heures. Et ça marche, demandez à Navalny. Un livre aussi. On va faire un tour aux États-Unis, Léa, avec un livre sur l'actuel président américain et sur le drame de l'incontinence. Rencontre avec Joe Flack. Ça, c'est bouleversant. On a adoré. Enfin, un petit tour du côté des romans policiers. L'expression « roman policier », vous le savez, étant la seule chose qui relie un gendarme à la lecture. Alors, Jardinage et botanique. Jardinage et botanique, une passion nantaise. C'est l'ouvrage culte de Xavier Dupont de Ligonnès. Et il est partout, Xavier. Il a un portrait magnifique dans « Modes et travaux » spécial terrasse. Ça, il y a des petits conseils de bricoleur. C'est merveilleux. Un roman d'amour encore, hein, d'un jeune auteur, il nous a bouleversés, il s'appelle Jonathan Daval, et il nous a séduit avec « Et si c'est un homme ?», un ouvrage sur une romance torride et carcérale, avec le troublant Guy Georges. Voilà. Et puis il y a aussi une biographie officielle d'Émile Louis, « L'homme qui murmurait à l'oreille des trisots ». Ça c'est magnifique. Oui, il l'aurait fait, Jérémy non, Ferrari l'aurait non, fait, donc non. On peut la faire. Voilà. Oui, mais lui, oui, mais on non. N'oublie pas non plus Francis Holm, qui nous propose un guide pratique sur la déco d'intérieur. Ça s'appelle Holm, Sweet Holm. Voilà. Et on termine cette petite papeterie par deux ouvrages de notre collaborateur, confrère et ami, Christophe de Chavannes. Alors, il y a celui-ci, Sans transition. Voilà, c'est magnifique. Lisez-le. Et puis, il y a le prochain, Les quatre mousquetaires, dont trois sont des cons, sur les coulisses. Ça, c'est les coulisses de quelle époque. On va l'envoyer à TPMP. Voilà. Jeudi, on en parlait avec Darius. Jeudi, Vladimir Poutine a répondu à Emmanuel Macron qui envisageait l'envoi des troupes au sol. Le président russe a déclaré « Nous aussi, nous avons des armes capables d'atteindre vos cibles sur vos territoires. » Pardon, j'ai commencé à apprendre l'hymne russe. Ça peut être utile dans les prochaines semaines. Voilà. Alors, la grosse différence entre un Poutine et un Macron qui menace, c'est qu'il y en a un des deux qui est sérieux et l'autre, c'est Macron. Voilà. Alors, moi, je vous le dis tout net. Premier tir de carabine russe, je vais être dans l'esprit Coubertin. Je dirais, bon, on a perdu. Voilà. L'important, c'est de participer. Je file dans ma maison du côté de Saint-Raphaël. Si vous voulez la reconnaître, il y aura un petit drapeau. Vive Poutine, vous la reconnaîtrez au bout de l'année. Je vous reconnais bien là, hein, Philippe, le courage, le vrai. Vous n'irez pas défendre votre pays. Alors, non. parce que moi, à l'intérieur, moi, vous savez, à l'intérieur, je suis une Miss France. Et je ne vois pas l'intérêt de rentrer dans une guerre quand on est sûr de prendre une branlée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les Miss France sont contre la guerre. Parce que sinon, quand Jean-Pierre Foucault leur dit... Alors, Miss Côte d'Azur, un petit mot. Alors moi, Jean-Pierre, je suis pour la guerre. Voilà, je veux qu'on nique tout le monde. Voilà, je veux une dictature mondiale. Voilà. Et sinon, j'ai un message. Les Africains, restez chez vous. Voilà. Et les dauphins, je fais des sushis. Voilà, votez pour moi. Eh bien, c'était la petite... Clémentine Ciotti de la région PACA. Lundi, la France pourrait devenir le premier pays à faire entrer l'IVG dans la Constitution. Ça, c'est une formidable nouvelle, historique et nécessaire, parce qu'entre Joël Guerriau, vous savez, c'est celui qui met des petites surprises dans le verre de ses collègues pour faire du zizi avec,
parce que sinon, à la régulière, il n'y arrive pas. Puis il y a un autre sénateur qui fait du sexe avec l'assistante médicale. Donc, au Sénat, le sujet de l'IVG est primordial. Bon, même si à l'âge des sénateurs, on ne va pas se mentir, on a la semence un brin fatigué. Alors, les sénateurs arrivent à un âge où tu ne sais plus très bien faire la différence entre la jouissance et une petite fuite, finalement. Les deux se confondent. En tout cas, sur CNews, ce ne sera pas la joie lundi. Les journalistes de CNews ont décrété une journée de deuil éditorial. Charlotte Dornelas portera un voile noir, Pascal Pro troquera sa cravate de satin rose contre un nœud coulant et Elisabeth Lévy noiera son chagrin dans son cocktail préféré, le GPS Jet Pastis Suze. Comme d'habitude. Oh non. Ouais. Philippe, on va recevoir dans quelques minutes Delphine Serrault, cette éleveuse de chèvres dans l'Indre. Et on ne peut pas ne pas parler du Salon de l'agriculture. Oui, alors ça, elle est formidable, Delphine, vous allez voir. Elle est passionnée, elle investit, on l'adore. Et alors, je dois revenir quand même sur les tensions de samedi dernier. Le Salon de l'agriculture ne doit pas devenir un lieu de conflit. Ça doit rester une grande fête populaire où les Français admirent les animaux, goûtent les spécialités locales et vomissent dans les allées après avoir goûté 47 vins différents. Voilà. En tout cas, j'y suis allé mardi, moi, au Salon de l'agriculture. Et c'est vrai que j'ai fait des vannes sur les paysans. Bon, j'avais un peu mauvaise conscience. Voilà, donc c'est fini. Je ne ferai plus de vannes. Je finis les vannes où je dis les agriculteurs vivent avec leur mère et ont 12 dents à eux deux. C'est fini. Rien, fini. Plus rien sur l'alcoolisme des gens de la campagne. Fini. Et plus rien sur leur zoophilie. L'un souvent entraîné par l'autre, parce que s'ils arrêtaient de boire... eh bien, les chèvres feraient des nuits complètes. Eh bien, ça, je ne le ferai plus. Pour Emmanuel Macron, en revanche, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Oui, c'était. Alors, à un moment, vous avez vu les images, il était un petit peu chahuté. Ouais. À un moment, on a eu très peur parce qu'on s'est dit le service d'ordre va être débordé. On est passé tout près de Monsieur le Président. Il faut vous cacher immédiatement. Oui, mais il n'y a pas d'issue dans la charolaise. Comme ça. Comment ça, dans la charolaise, Monsieur le Président? Mais très bien compris. Vite. Bon, ben, écoutez, d'accord. Pardon, Rayette. Dis-toi que tu le fais pour la France. Voilà. Ben oui, ça aurait pu. On est passé à ça. Je vous laisse. À tout à l'heure, Philippe. Vous venez à la fin de l'émission pour le Fil Actu. Et on accueille maintenant cette agricultrice qui a ému la France entière. Elle était à deux doigts de la faillite et d'envoyer ses chèvres à l'abattoir. Bonjour, moi c'est Delphine Serrault. Je suis agricultrice, je suis surtout éleveuse de chèvres. Je fais des fromages de chèvres également. Et je suis là pour essayer de sauver ma ferme. J'ai jusqu'à vendredi pour trouver un peu d'argent. Sinon, c'est la liquidation et c'est la fin de mes chèvres. Elles vont à l'abattoir. Et moi, c'est la fin de ma vie aussi, donc je me bats pour ma vie aussi. Elle a lancé une cagnotte, elle a récolté 200 000 euros qui lui ont permis de sauver son exploitation et ses chèvres. C'est la belle histoire de la semaine. On accueille tout de suite l'agricultrice Delphine Serrault. Bonsoir Delphine Serrault. Merci d'être là, Christophe de Chavannes. Brigitte Fossé, Jérémy Ferrari, Théoul, on est ravis de vous recevoir parce que votre histoire, elle nous a émus. Ouais, et moi, si vous saviez à quel point je suis contente d'être là, c'est la meilleure émission. Franchement, en ce moment, c'est la meilleure. C'est celle qui me détend, me distrait et qui me fait bien rigoler. Merci Philippe. Merci Paul aussi. Et Christophe, on les sent moins venir. Eux, ils sont prévus. Non, mais c'est vrai que vous lâchez vos chèvres le samedi soir pour regarder l'émission? Soit je les presse, soit je leur dis, bon, là, les filles, vous allez attendre pour manger un petit peu. Je regarde quelle époque et je reviens à vous après. Les presser, ça veut dire les speeder? Les presser, je leur dis, et là, vous m'écoutez, on y va, on fait ça bien, quoi. Combien en a 20? Il y en a 80. 80. Ah. Mais pourquoi vous ne regardez pas quelle époque avec vos chèvres? C'est ça la question. Je suis sûr que ça me ferait une ou deux clientes. Il faudrait un petit projecteur derrière, ça pourrait se faire, mais ça devrait coûter un petit peu d'argent. Parce qu'il ne peut pas y avoir des chèvres et sur le plateau et devant la télé. Là. Je suis assez d'accord.
En tout cas, nous, on est très heureux de vous recevoir. On vous a appelé parce que vous nous avez ému, votre histoire nous a ému, on vous a vu sur différentes chaînes. Et on était très contents que vous nous disiez en arrivant que vous adoriez l'émission. Ah oui, oui. Je vais raconter votre histoire. Vous avez 43 ans, vous êtes agricultrice à Néon-sur-Creuse dans l'Indre. Vous élevez des chèvres, donc 80 chèvres. À l'origine, vous vouliez être prof, mais en train de faire votre thèse d'histoire, vous balancez tout pour dire non, en fait, je vais devenir exploitante agricole. Ouais, alors c'est un master, hein, mais je veux bien comprendre la thèse, mais je n'ai fait qu'un master. C'est bien, oui, quand même. Oui, enfin oui, après, c'est l'éducation nationale qui m'a rendue chèvre, et c'est peut-être pas pour rien que... Pas mal. Je me suis dirigée vers elle, tout c'est simplement. Pour ça, c'est parce que... Oui, parce que... Ben, il n'y a pas que l'éducation nationale, même les gens en général me font un peu bondir. Je suis quelqu'un d'une grande idéaliste, une grande humaniste, si vous saviez tous les combats que j'ai menés dans ma vie. Et à force d'être déçue par l'humain un petit peu, je me suis dit, allez, pourquoi pas te mettre au vert un petit peu avec des chèvres. Et pourquoi des chèvres ? Et pourquoi des chèvres ? Parce que c'est un animal curieux, joueur. Et je suis née un petit peu avec, parce que ma grand-mère, qui était parisienne pour autant, a eu 10 ans des chèvres, de mes 0 à 10 ans. Vous montez donc ce projet de ferme avec une associée il y a 6 ans. Et là commence cette vie où vous travaillez littéralement entre 15, 16, parfois 20 heures par jour. Oui, ça m'est déjà arrivé même 22. Là, tu crois que la terre va s'arrêter, mais ouais, tu résistes. Ben, après, moi, le plus gros problème que j'ai, c'est d'être seule. Au début, le projet était fait pour deux, tout a été monté pour deux, donc rien de pratique pour une personne. Qu'est-ce que vous faites ? Du fromage, du lait ? Ouais, du fromage. Du fromage ? Du fromage, du Pouline Saint-Pierre et du Sainte-Maure de Touraine en bio. En bûche ou en... Pardon ? Les deux. Mon capitaine, ouais. Et quand, il y a quelques mois, commencent les galères, parce que oui, c'est ça qui s'est passé, les machines qui tombent en panne, le foin dégueulasse que vous a vendu à un agriculteur... Dégueu. Avec empoisonné. Avec des bactéries dedans. Mmh. Les fromages qui sont aussi, parfois, qui ont des bactéries que vous ne pouvez plus vendre. Et puis, votre associé qui jette l'éponge. Bref, les banques, à un moment, il y a quelques mois, vous réclament 200 000 euros. Ces 200 000 euros, vous ne les avez pas. Et il faut les donner avant Noël, avant le 31 décembre dernier. Là, vous dites, j'étais désespérée, j'étais dans un état psychologique de désespoir total, j'étais dans un couloir de la mort. Ouais. Ah oui, moi j'ai réussi à ouvrir quelques fenêtres, mais malheureusement, il n'y avait pas de la lumière quand même au fond du couloir. Elle est arrivée par grâce. C'est incroyable ce qui s'est passé depuis le 14 février. Mais à ce moment-là, vous pensez vraiment... au pire, c'était ah oui, que moi tu n'es pas y arrivé. J'ai clairement dit, oui, il y a eu, au mois après que le monde soit passé, après le 15 janvier, j'y ai plus cru. Parce que plus personne ne me rappelait, plus personne ne me relançait. J'avais prévenu ma mère, hein, pauvre maman, qu'elle m'en veuille pas, que je l'aime ou combien, ma mère, mais que j'aurais pas pu passer ça. J'aurais pas pu supporter ça. Parce que qu'est-ce qui serait passé si vous ne donniez pas les 200 000 ? C'est ça, c'est... Et bah, c'est toutes mes chèvres partaient à l'abattoir et en fait, elles ne seraient pas parties à l'abattoir. On serait toutes... Enfin, non, j'avais même projeté autre chose après, mais elles seraient toutes mortes. Je les aurais toutes tuées, moi. Ouais, vous étiez... On va dire... En fait, je m'étais dit, on ne veut pas m'entendre de mon vivant, on m'entendra de ma mort. On entendra parler de moi pour plus que ça se reproduise pour aucun agriculteur. Parce que moi, c'est pas les politiques qui me tuent, c'est pas la grande distribution, c'est d'autres agriculteurs en nous envoyant du foin qui ne va pas. Pourquoi ? Bah, quand vous êtes une petite exploitation, vous prenez très peu de camions de foin à l'année. Par exemple, il serait passé la même chose sur un grand élevage, il aurait changé le camion dans la journée. Moi, je suis quantité négligeable, interchangeable rapidement. Donc, il n'a pas fait exprès de donner ce foin pourri ? Non, il est arrivé bien chez moi. D'accord. Sauf que ça, il l'a fait exprès, par contre. Hein. Il n'a pas bâché son camion un jour d'orage. Ah. Le foin a été trempé. OK. Il a pourri, après, il s'est dégradé, les bactéries sont arrivées. Et donc, il est conscient de ce qu'il a fait. Hein. Je lui ai écrit des mails, il savait exactement où aller m'amener ça. Il n'a rien fait. Ça lui coûte, lui, entre 2 et 4 000 euros, même pas. Moi, c'est changer de camion, moi, c'est ma vie. Mmh. Ma mère vient déjà de perdre sa première fille. Hein. Oui, parce qu'en plus, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un an, votre sœur... Oui. Décède d'un cancer. Ouais. Et là, vous dites vraiment... Non, mais c'est pour ça que je pense que vous avez ému tout le monde. Vraiment, votre histoire, elle est terrible. Et là, votre mère, c'est elle qui vous donne le courage de tenir. Bah, c'est... Elle vous aide, elle fait les courses. Je me bats pour ma famille et pour ma mère, qui ont déjà assez souffert. Et je ne pouvais pas me permettre... Je suis quelqu'un de combative. Hein. Je suis une vraie combattante, une vraie justicière. D'habitude, je me bats pour les autres et pas pour moi. C'est la seule différence. Et c'est beaucoup plus difficile de se battre pour soi que pour les autres, enfin, en ce qui me concerne.
Donc je me suis fait violence. Demander de l'argent à des gens que je ne connais pas, ça a été très difficile aussi dans ma tête. Vous avez créé cette cagnotte. Ouais, après avoir tout essayé, j'ai fait venir les députés chez moi. J'ai appelé un avocat qui me disait que la procédure judiciaire était trop longue, que même si je gagnais, ça serait trop tard, que la date serait dépassée du 31. Donc, vu que je n'avais plus aucune solution, fin novembre, début décembre, je décide de mettre cette cagnotte en ligne. Ouais. Vous faites cette cagnotte, qui au début prend, mais pas énormément, et puis vous décidez de prendre Princesse, c'est ça ? Oui. Une de vos chèvres, de la mettre dans la voiture et de monter à Paris. Ouais. Vous vous dites, il y a les obsèques de Robert Badinter, on y revient. Et vous vous dites, je vais aller faire un coup d'éclat devant les caméras pour dire que je suis en train de crever et sensibiliser les gens. Parce que vous arrivez à Paris, vous arrivez trop tard. Les obsèques sont terminées, l'hommage national est terminé. C'est ça. Mais quand même, il y a les caméras de BFM. Et là, vous vous exprimez. Et là, vous allez sur les caméras. Et là la cagnotte explose. Et c'est ça, c'est un truc de dingue. La cagnotte explose. Et donc, vous avez réussi à rassembler 200 000 euros. Ouais. Vous avez eu des dons de 1 euro à 999, j'ai vu. Ouais. Pourquoi 999 ? Parce que je crois que j'ai dit à la radio RTL, pour être exact, j'ai dit, je ne demande pas aux gens de se dépouiller pour moi, je connais la situation de tout le monde, hein. Je sais que c'est dur pour tout le monde actuellement, mais donner 1 euro, et je crois que ce monsieur s'est dit, vous mettrez l'euro pour moi, et il a mis 999. Et vous avez mis l'euro, c'est très beau. Et là, c'est ma petite nièce, la fille de ma sœur, petite Castille. Voilà, et je remercie encore une fois toutes les personnes, hein. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, j'avais dit que je ne pleurais pas. Hein. C'est compliqué en même temps, vu la situation, entre vous et moi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Voilà, aujourd'hui, vous êtes sortie d'affaire ? Je croyais, vous voyez, c'est ça qui est terrible. Lundi, je me suis dit, j'étais trop contente, merci. Et puis, vous faites toujours cette blague et on finit par en douter. Hein. Elle vous regarde vraiment tout le temps, non. Il est propre. J'étais persuadée d'en être sortie puisque j'avais réuni la somme qu'il me fallait. Maintenant, j'ai un camion de foin qui arrive mardi et ça va pas. Alors, il est pas entomagé, hein, mais il n'est pas de qualité suffisante pour que mes chefs puissent produire du lait. Donc là, il vous faut du foin. Alors là, je voudrais passer un petit message. S'il reste 30 tonnes à un agriculteur de super luzerne, j'entends de la luzerne de chèvre, hein, avec toutes ses feuilles et tout ça, ou du trèfle excellent, je suis preneuse. Vous pouvez me joindre sur mon adresse mail à delphinecerro36@gmail.com. Mais moi, je vous pose une vraie question parce que d'abord, je trouve juste que avant, vous faites un métier. Moi, je cherche l'iPhone 15 si quelqu'un regarde l'émission. Mon mail. C'est pas moi qui pourrais t'aider, t'as pas vu le portable. Mais parce que là, vous allez de saut de puce en saut de puce. Pourquoi est-ce que cette année, il y a eu ce drame à ce point où vous avez été en impossibilité de régler quoi que ce soit ? Pourquoi cette année ? Plus que les années précédentes. Parce que cette année, ma sœur est morte. J'ai pas fait de fromage pendant les 3 premiers mois. J'étais pas capable. Dès que je faisais 14 heures de plus par jour. Après 14 heures, j'arrivais plus à travailler. Mon cerveau voulait dormir, sûrement pour un peu oublier et un peu digérer ce qui s'est passé. Jérémy, c'est émouvant, non ? Enfin, en même temps, c'est une belle histoire. Oui, c'est terrible ce que je veux dire, mais en fait, moi, je suis tellement amoureux des animaux que je suis juste resté sur « on va abattre toutes les chèvres », donc je suis resté là pendant que vous lui grattez et qu'il vous regarde comme ça. Enfin, c'est abominable. Alors moi, c'est horrible, mais j'ai plus pensé aux chèvres qu'à vous, parce que je disais, c'est horrible pour ces chèvres, on va les abattre. Moi aussi, en fait, je me suis mis sincèrement à sa place, et je crois que, enfin, j'en sais rien, c'est vous qui allez me dire, mais je crois vraiment que c'est le pire, en fait. C'est parce qu'à la limite, enfin, j'en sais rien, mais j'imagine comme ça, en plus de tout ce que vous racontez et tout, c'est de vous dire... En fait, à cause de moi, on va les tuer. On va tuer mes chèvres. C'est-à-dire qu'on va prendre... Enfin, tous ceux qui ont des animaux de compagnie, je sais que ce n'est pas des animaux de compagnie, mais vu le rapport, vu la manière dont vous en parlez, c'est quand même très proche. Oh, c'est mes chiens. Voilà. C'est pareil. Hein. Et pareil que je pense chien, que tous ceux qui ont des animaux peuvent imaginer cette situation. On vous dit, parce que vous n'arrivez pas à payer quelque chose, on va venir chez vous, on va prendre vos animaux et on va les tuer. Mais moi, la question que je voulais vous poser, c'est que est-ce que les problèmes que vous avez eus là, c'est des choses qui peuvent... réarriver, est-ce que c'est fréquent ? Et si ça réarrive, est-ce que vous pouvez gérer la prochaine fois, quoi ? Alors, oui, c'est fréquent. Moi, c'est surtout que le problème pourrait être vite réglé. C'est pour ça que j'aimerais que Emmanuel Macron, M. Attal, m'entendent. Parce que là, on parle de problèmes des agriculteurs qui gagnent pas assez d'argent. Mais il y a un problème au sein même de l'agriculture. Il n'y a pas de contrat. Moi, si j'avais eu un contrat, par exemple, mon deuxième camion aurait, même s'il avait merdé, entre guillemets, sur le premier, le deuxième aurait été envoyé. Et il y a des analyses de foin qui sont très faciles, qui coûtent 30 euros pour des camions qui valent entre 8 et 10 000 euros.
Donc, on a une analyse de fait, on sait ce qu'il y a comme valeur. C'est comme si vous achetiez un truc à manger et que vous ne saviez pas ce qu'il y a dedans. Eh bien, nous, c'est ça, on achète à l'aveugle. Donc, forcément, ça pose des problèmes. Brigitte Fossé, ça vous émeut, non ? Son histoire ? Ah ben, moi, je trouve ça bouleversant parce qu'il n'y a pas plus noble pour moi que de s'occuper des animaux et de la terre. On vient tous de là et je ne comprends pas que ce métier qui est si noble ne soit pas plus... admiré, considéré, encouragé par les lois, les structures, les conjonctures. Enfin, c'est nous qui sommes dépendants de vous et c'est à l'envers. Vous qui êtes dépendants de la société, c'est le monde à l'envers. Dans quelques minutes, quelques petites minutes, Philippe Cabrivière. Mais d'abord, il a été bien sage pendant toute l'émission, Théo Hould. Merci d'être là. Vous avez 25 ans. Vous êtes né à La Rochelle. Vous avez grandi à Marseille. Vous êtes partout. Il y a plein d'articles sur vous. Je l'ouvre, Le Monde, Télérama, etc. Le Stromae de l'accordéon, le nouveau prodige de la musique. Vous avez été nommé aux Victoires de la musique classique il y a un an. Bref, tout le monde parle de vous. Pourquoi ? Parce que vous avez rendu à la mode cet instrument. Très vite, en sixième, vous vous dites « je vais en faire mon métier ». Sauf que vous avez un peu honte. Vous dites, bah, les autres, ils arrivaient avec leur guitare et tout ça. Bah, comme Christophe de Chavannes tout à l'heure. Merci. Ça, non, mais la reconnaissance d'un artiste, ça me va très bien. En plus, j'ai toujours aimé l'accordéon. Moi, j'habitais Saint-Cloud. Vous voyez où c'est ? Non, c'est Verchuren. Enfin, c'est pas... Oh non. Non. J'ai pas compris. Kevin, Verchuren, un accordéoniste, Suresne. Ah ben non, mais au bout, mon vieux, je vais au bout. Maintenant. Non, mais... Non, mais tant. C'est bien parce qu'on va se demander s'il est pire guitariste ou pire humoriste. Comme ça, on se pose la question. Oh, c'est pas moi qui l'ai fait, bon. Allez-y, jouez. C'est moi. Alors, avant de ne plus vous parler, oui. Je veux dire quand même qu'il y a un son qui ressemble... Il y avait Rhoda Scott, qui était une grande organiste et qui jouait extraordinairement bien, et notamment parce que c'est l'orgue avec ses pieds. Et ça ressemble beaucoup, je trouve, en son, à l'orgue à tube, n'est-ce pas ? Absolument, oui. Déjà, ce qu'on a en commun avec l'orgue, c'est qu'on a ce qu'on appelle des registres, des jeux, qui permettent de changer le son. Par exemple, s'il y a une caméra par là, tous ces boutons-là, je pourrais vous montrer tout à l'heure, permettent de changer le son, c'est-à-dire que pour une même note, on va avoir différents timbres. C'est ce qui reproduit un peu le son de l'orchestre et de l'orgue. Alors, attendez. Regardez, on va faire ça. Une personne aussi jeune avec un truc aussi lourd et vieux, j'ai l'impression de voir Judith Godrèche chez Benoît Jacquot. Décidément. Au moins, elle fait des beaux discours. Combien ça pèse ? Celui-ci a environ 14-15 kilos. Ah, quand même, oui. Donc, pour une même note, vous voyez, je ne change pas de doigt. Simplement, ouais. Le son des registres fait qu'on a des couleurs. Et si je vous joue quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, ambitieux, ça change complètement... Ah oui, j'ai le micro. Ça change complètement la couleur d'un morceau. Par exemple, si je vous fais... etc. On va être sur quelque chose d'assez intimiste. Maintenant, exactement les mêmes notes. On est dans quelque chose de beaucoup plus solennel. Et c'est oui, il a raison, ça fait penser à l'orgue d'une église, en fait. C'est un grand point commun qu'on a. Ils ont la même chose qu'on appelle des jeux, ce qui permet d'avoir, dans un seul instrument, beaucoup d'instruments. Pourquoi c'est considéré un peu comme ringard, cet instrument, en France, alors qu'à l'étranger, au Brésil, en Argentine, j'ai vu qu'en Serbie, c'était l'instrument national. C'est pas du tout... En Brésil, tout le monde a des accordéons, c'est un truc très hype. Mais en fait, je pense pas que ce soit vraiment l'accordéon qui soit devenu ringard. C'est un peu le genre en France qui est célèbre. C'est ouais, le musette, exactement. En fait, je pense à saouler les gens au bout d'un moment, même si à l'intérieur, il y a quand même des bijoux et peut-être qu'un jour, on réhabilitera le musette. Mais l'accordéon, comme c'était l'emblème de ce genre, eh bien, il est devenu ringard ce faisant. Mais on dit souvent que c'est un instrument vieux, alors que c'est l'un des derniers instruments acoustiques à avoir été créé. C'est une machine avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Et on croit aussi à tort que c'est français, alors que, comme vous l'avez dit, c'est l'instrument national en Serbie et ça s'est exporté dans le monde entier.
Et grâce au marin, j'ai vu que c'était grâce au marin. En fait, c'était un petit instrument, pas gros comme ça, et qu'il le prenait sur le bateau pour s'accompagner quand il chantait. C'était un peu la nouvelle guitare, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité de jouer une mélodie et de s'accompagner. C'était un instrument qu'on appelle polyphonique, donc il peut faire plusieurs voix en même temps, comme le piano ou la guitare, mais c'est beaucoup plus transportable qu'un piano, ce qui fait que les marins, on avait partout sur les bateaux, et au gré de leur voyage, ils l'ont un petit peu... Mais Théo, quand vous étiez ado, vous disiez « je veux être guitariste ou je veux être pianiste ». Vous n'assumiez pas trop « je veux être accordéoniste ». Tout à fait. Oui, d'ailleurs, chez le coiffeur, j'ai de grandes histoires avec les coiffeurs. On me demandait ce que je faisais dans la vie, je disais de la musique, quel instrument. De temps en temps, je faisais du piano, de la clarinette, de la direction. Alors, je les ai faits en vrai, en plus, tous ces instruments. Mais vous assumiez pas. Non. Et à quel âge vous avez dit non, c'est ça, c'est mon instrument coup de cœur et je veux le populariser? Mais quand je suis rentré au Conservatoire de Paris, donc environ à 16-17 ans, et que j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire avec. Parce que ça part donc d'une grande limite, qui est que, comme c'est un instrument récent, on n'a pas énormément de répertoires, comme le répertoire que j'idolâtrais des violonistes, des pianistes. Mais cette contrainte-là nous pousse, nous, à être obligés d'avoir une grande liberté et d'inventer quelque chose. Et je crois que c'est tout ça qui m'a plu, la créativité qu'on pouvait faire. Là, vous sortez votre premier album, je vais quand même le montrer, La Terna Magica, où vous jouez à la fois Bach, Mozart, Tchaïkovski, Rameau également, et plein de choses différentes. Vous serez en tournée, je tiens à le dire, le 12 et 13 juin au Lavoir moderne parisien et en tournée ensuite dans toute la France. Mais c'est vrai que ce qui marche aussi sur les réseaux sociaux, c'est que vous avez un look, il y a un truc plus moderne et sexy aujourd'hui avec vous. Mais en fait, ce n'est pas vraiment quelque chose de travaillé. C'est-à-dire que j'ai 25 ans, je suis dans ma génération et tout simplement, je m'habillais comme ça. Et il se trouve que dans le milieu de la musique classique, ça a plu parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup. Est-ce que l'accordéon, ça aide à draguer? Ah, maintenant, un peu. Ah ouais? Vous avez un peu la cote avec l'accordéon. C'est vrai? Non, ça plaît, bien sûr. Grâce à là, vous. C'est chez mon copain, donc ça plaît un peu. Ah bah écoutez, grâce à l'accordéon, vous l'avez trouvé, non, votre copain? Non, non. J'espère pas. Qu'est-ce que vous allez nous jouer? Il paraît que votre main gauche est particulièrement souple. Oui, alors j'ai entendu ça. Je sais pas trop d'où ça vient, mais... De votre copain. Vous nous jouez quoi? Alors, je vais vous jouer trois extraits. Ah, super. Le premier extrait, ça va être du Rameau, justement, du disque. Donc, une pièce qui a été écrite il y a presque 300 ans. La deuxième, c'est un morceau que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est Liber Tango d'Astor Piazzolla, donc musique sud-américaine. Et le troisième, puisque vous avez eu Sylvie Vartan là, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire un hommage. On vous joue un petit bout de La Maritza. Oh, génial. Voilà. Avant Philippe Cavrivière, Théo, mesdames, messieurs. Thank you.
Magica. Les 12 et 13 juin au Lavoir Moderne Parisien, on tournait dans toute la France. Venez nous rejoindre. Et on retrouve, on termine l'émission avec Philippe Cavrivière. Philippe, un ingénieur de la mairie de Paris s'est donc fait voler cette sacoche dans le train avec son ordinateur contenant les plans de sécurisation des JO. Oui, c'est la musique de la chèvre, ça tombe bien pour Delphine, puis ça tombe bien pour lui, parce que c'est un peu un François Perrin. Alors, vous savez qu'il y avait des clés USB aussi dedans. Alors, Anne Hidalgo elle a gueulé parce qu'elle avait quand même toutes ses photos de vacances de Tahiti dessus. Et c'est vrai que c'est... Les gars de la mairie de Paris, ils sont quand même malins en 2024 de dire « Tiens, on va prendre des clés USB. Où c'est qu'on pourrait mettre toutes les infos de la sécurité des JO ?» Ben, si on prenait un tout petit objet de 2 cm sur 20 mm qu'on peut perdre facilement. Banco Jean-Michel, on va prendre ça. Voilà. Alors, en tout cas, je déconseille aux scénaristes de Hollywood de s'inspirer de la France pour leur prochain Mission Impossible. Ce serait hyper décevant. Votre mission, c'est toutefois... Vous l'acceptez, dérober les plans de sécurisation de la ville de Paris pendant les je fais un AVC, attention, tout le monde s'en fout. Dérober les plans de la sécurisation de la ville de Paris pendant les Jeux Olympiques. Attention, c'est la 5e puissance mondiale, ces JO sont sous haute surveillance. Ce message va s'autodétruire dans 3, 2, 1... Non, c'est bon, Jean-Louis, je l'ai, là. Parce qu'il y a l'autre con qui a oublié la clé USB dans le TER. Voilà, fin du film. 1 minute 30. Jeudi soir, France 2 a diffusé un envoyé spécial sur Gérard Miller, accusé par une 60aine de femmes d'agressions sexuelles pendant des séances d'hypnose. Oui. On a tout essayé. Pauvre Gérard Millet, obligé de cumuler 2 jobs. Pour s'en sortir, psychanalyste et génico-bénévole, visiblement. Gégé, c'est un mesmer pris à pic. Alors, Gérard Miller, on l'aime ou on le déteste pour sa grande gueule ouverte en permanence. Et on vient de réaliser, en fait, que sa braguette était encore plus ouverte que sa grande gueule. Et pourtant, c'est pas facile. Alors, Gérard reconnaît toutes ses relations sexuelles. Et c'est là où Gérard est peut-être plus Jean Clément que moi, parce que moi, j'ai été géo au Club Med dans les années 90, et je suis pas certain de toutes les reconnaître. Tu vois. Non, parce que... Alors, non, mais ça peut faire gouja, dit comme ça, Delphine, mais par exemple, les touristes à Agadir 95, Coral Beach 96, que je les ai bien, bien connus, si je les vois demain, je suis pas sûr de les reconnaître. Il y a une petite semaine, il y en a une qui m'a arrêtée, Françoise, elle me dit « Agadir 96 ». Je dis « On a baisé ?» Elle me dit « Oui, après la soirée limbo ». Je dis « Bon, j'en ai fait 2-3, tu vois, moi, des soirées limbo, voilà ». Et là, elle me montre un petit garçon, elle me dit « Ça, c'est ton... » Là, le petit trisomique de 34 ans, c'est le mien ? Alors, je dis « Ça, c'est pas impossible, hein, parce qu'avec tous mes excès, j'ai 2-3 cafés joyeux dans le slip ». Vous connaissez le café ? Je connais Café Joyeux, Café c'est Joyeux. Génial, Café Joyeux. Hey. J'y suis allée il y a encore 2 semaines. C'est des cafés où on est servi par des personnes handicapées. Je leur fais de la pub tout le temps. Et vous le avez cappuccino, raison. C'est pour vous. Et c'est hyper bon en plus. C'est lent, mais c'est bon. Oui. Faut avoir du temps. 4 établissements à Béziers ont instauré l'uniforme désormais. Et oui, l'uniforme qui va forcer nos amis pédophiles à devenir plus physionomistes parce qu'ils se ressemblent tous. C'est l'égalité des chances pour les moches. Alors, c'est à Béziers comme par hasard. C'est à Béziers. Béziers, c'est la ville de notre ami Robert Ménard qui est ravi de l'uniforme. Alors, Robert Ménard, c'est vrai que dans les médias, il est très sympathique. Je vous décrypte, en fait, Robert Ménard. Il y a 2 trucs pour être sympa. Il y a le tutoiement, il tutoie les journalistes, et il a l'accent du midi. Et là, quand on a les deux, tu vois, Robert Ménard, il dit comme ça, ça va, Léa, tu vas bien, formidable, elle est bien l'émission. Delphine, elle a été super, Brigitte, formidable. Bien, Théo, Jérémy, alors extraordinaire. J'aime tout le monde. Voilà, là, voilà. Alors, oui, l'uniforme à l'école, Léa, bon, moi, je ne suis pas raciste, voilà.
Mais je dis non, pas de gel là-bas à Béziers, tu vois. Hein, y a des on n'est pas à Marrakech, on est en France. Bon, je ne suis pas islamophobe, je suis tout le temps chez Sonia Mabrouk. Alors, tu vois, je parle à Léa Salamé, pourtant elle n'est pas française quand même, tu vois. On n'a pas de problème. Pas de problème. Salam alaikum, Léa, voilà. Vive Béziers, voilà. Tu le tiens. Ouais. Et on termine avec cette info. Les appellations steak végétal et saucisse vegan sont désormais interdites. Oui. Alors moi, j'ai envie du steak végétal parce que, je vous dis tout, j'ai eu un petit coup de cœur mardi au Salon de l'agriculture. J'ai eu dans les bras un agneau d'Arnaud du Lot. Là, c'est trop mignon. Ouais. Et c'est vrai que quand tu as un agneau comme ça dans les bras, tu ne peux plus en manger pendant 48 heures. Puis après, tu... Et moi, j'avais la double culpabilité, déjà de le manger, et puis d'avoir envie de faire l'amour avec. Mais bon, il a passé un bon moment, on voit qu'il sourit, donc... Alors, tiens, d'ailleurs, j'avais... Vous aussi, hein. Une question. On a passé un très bon moment, tous les deux. J'avais une question. Si on met son zigouigoui dans un filet mignon, est-ce que c'est de la zoophilie ou pas? Je sais pas, Delphine. Ça, c'est une vraie question. Non. Alors, non. Dans le filet mignon... ça peut être dangereux. En revanche, ce que je conseille, c'est de prendre deux escalopes et un blanc d'œuf, et l'illusion est assez parfaite. Moi, j'ai... Oh non. Ah, j'ai mis du temps. Ah, j'ai mis un temps. C'est mes... Ah, c'était... Il y a eu trois secondes. C'est mes auteurs qui font ça. C'est vos auteurs qui sont un peu en baisse, là. Alors... Mais oui, elle met un temps d'attente. Voilà. Ah, oh là là, ça y est, je l'ai. On termine là-dessus, deux escalopes et un blanc d'œuf. Je vous remercie. Merci mon Philippe, merci aux invités ce soir, Théo Hould, La Perna Magica, et en concert le 12 et 13 juin au Lavoir Moderne Parisien, en tournée dans toute la France. Darius Rochebain qui était avec nous, La Guerre et la Grâce, Conversation inachevée, avec Hélène Carrère-Dancos, Leçon d'une vie chez Fayard. Sylvie Marton qui était aussi avec nous, Je tire ma révérence, à tournée d'adieu, le 8, 9, 10 novembre prochain au Dôme de Paris. Merci à vous ma chère Delphine et bonne route. Jérémy Ferrari, anesthésie générale à l'Accord Arena les 9 et 10 mars prochains, qui seront retransmis en direct dans tous les cinémas de France le dimanche 10 mars, dans une semaine, à 17h. Vous prenez votre place et vous voyez Ferrari à Bercy comme si vous y étiez. Brigitte Fossey, La Fontaine en fable et en note, avec Daniel Laval au piano. C'est au théâtre Poche Montparnasse jusqu'au 25 mars. Merci Brigitte d'avoir été là. Merci à tous. Paul, merci. Christophe, merci. Et merci à vous, Léa. Alors ça, c'est l'exemplaire de Philippe. Alors, je lui avais dédicacé. Tiens, mon gars Fifi, tu vas devoir le faire lire à quelqu'un, car sans transition, tu ne le liras pas. Je t'embrasse. Et effectivement, il ne l'a pas lu. Effectivement. Merci à tous. À la semaine prochaine. Merci. Quelle époque? Pourquoi quelle époque? Bah parce qu'Aurel San. C'est relou d'être relou. Mets pas d'emojis dans les messages, on s'embrouille. Casse pas les couilles, je veux pas ton avis sur tout. D'ailleurs, je veux pas que tu m'écoutes. Pressé d'arrêter, j'envisage de faire un mytho. Sois toi en dos, chop, remets une couche. Ah, numéro 4 Dangerous. Ah, la mémoire est courte, c'est moi qui ai ouvert l'autoroute. Sale, 30 fois ça a l'air de